On va se gêner sur Europe 1. 16h-18h30, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Pendant 2h30 aujourd'hui, autour de Caroline Diamant. Ouais. Gaspard Proust. Titoff. Gérard Miller. Jérémy Michalak. Et Pierre Bénichou. Voilà, le nombre de mails. Je me tourne vers Titoff et vers Pierre Bénichou qui était là hier. Évidemment, Gérard, Caroline et Gaspard vont peut-être pas comprendre, mais le nombre de mails de soutien à Joujou parce qu'on a parce qu'on a été méchant avec lui. Qu'est-ce que vous avez fait, notre Joujou? Parce que Jérémy avait dit que c'était pas bien grave de jeter une bouteille d'eau sur la tête du président de la République, que c'était un geste de gamin. Alors bon, évidemment, nous, on lui a dit que c'était pas bien de dire des choses comme ça. Moi, ça m'a carrément. Moi, j'en ai pas dormi de la nuit. Moi non plus, j'en ai pas dormi de la nuit. J'étais obligé de sortir tout ça tellement j'étais bouleversé. Titoff, il est tellement bouleversé qu'il est à l'heure. Si tu te rends compte à quel point ça l'a changé. Je vous écris pour la première fois, me dit Victor. Malheureusement, pour me plaindre, je suis outré des brimades dont a été victime Jérémy. Merci Victor. Il ne méritait pas ce sort et je suis d'autant plus déçu qu'il n'a pas pu se défendre. Il a donc été mal compris. Il est toujours le premier à rire des blagues de certains membres, plus ou moins drôles. Il donne de bonnes réponses, fort souvent j'en passe sur son rôle dans l'émission. Alors surtout, ne le virez pas. Les gens ont vraiment cru qu'on allait le virer. Comme moi aussi. Joujou, je voulais apporter mon soutien par rapport à tout ce que vous avez subi hier dans l'émission. Pas de quoi fouetter un chat pour ce que vous avez dit. Je pense que vous devriez céder à Laurent, sinon ça va devenir intenable pour vous. De plus, j'ai noté qu'aucun des autres chroniqueurs ne vous a défendu. Tous des cons et des faux culs. Ça, ne fait pas dire. Moi, je vous aime beaucoup et je serai toujours là pour vous défendre lorsque Laurent dépassera les limites. Signé Frédéric. Je serai toujours derrière vous. Mettez-vous en couple, ça ira sûrement mieux, dit Frédéric. Mais avec qui ? J'ai écouté l'émission hier, j'ai pas compris la réaction que vous avez eue envers Jérémy, Laurent, par rapport à la réflexion qu'il a faite. Vous êtes devenu fou, Laurent. Vous n'avez pas à nous chier une pendule pour ça. Surtout quand on entend tout ce que balance Fabrice Eboué. C'est pas parce que vous êtes malade qu'il faut vous en prendre à Joujou. J'espère que vous lui ferez des excuses. Ah, bah voilà, c'est ce que j'attendais. Bon, vous dites, les auditeurs disent qu'on a été cruel à côté, vis-à-vis du petit Michalak. Mais le petit Michalak, il a été cruel vis-à-vis du petit Sarkozy aussi. Exact. Il a dit bien fait qu'il prenne la bouteille dans la gueule, il n'y a pas de raison. Alors c'est ça qui vous choque, monsieur Ruquier. Dire que jeter une bouteille d'eau vide sur le président, c'est un truc de gamin. C'est ça qu'il a dit, Jérémy Michalak, et c'est ça qui vous choque. Par contre, dire que la majorité des délinquants sont noirs et arabes, comme l'a fait monsieur Zemmour, ça ne vous choque pas. Là, c'est pas faux. C'est une pierre dans ton jardin. Sauf que c'est pas chez moi qu'il l'a dit, ça, monsieur Zemmour, c'est chez Thierry Ardisson, vous voyez, il faut le rappeler aux auditeurs. Ah, c'est vrai. Et oui, si j'avais été là, je l'aurais pas laissé dire, et je l'aurais certainement sermonné encore plus que je l'ai sermonné Joujou, vous voyez. Oui. Enfin, moi, je confirme qu'on a été choqué, Pierre, hein, pas vous. Ça y est, putain, j'y retourne. J'étais vraiment choqué. Ouais. Pourtant, ils m'ont faux. Hein. Gérard, votre avis sur la question dans ce débat, fallait-il ou pas, moi, je ne sais pas ce défendre dit. Ce gamin qui a acheté une bouteille d'eau, comme l'a fait Joujou. Ah, comme il l'a fait. La manière. Moi, je ne l'aurais pas du tout défendu. Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement pour que vous attaquiez Michalak, mais je ne trouve absolument pas normal qu'on défende le gamin qui a jeté la bouteille. Jérémy a fait, oh, c'est pas grave, c'est un truc de gamin. C'est vrai que ça n'est pas grave. Ça n'est pas grave et en même temps. Si, c'est grave. Et en même voilà, temps, un deuxième de viré. Entendons-nous, ça n'est pas grave et en même temps, c'est absolument à critiquer. Mais c'est drôle que c'est grave au niveau de la symbolique. De la manière, c'est la manière dont il a fait aussi. Puis moi, ce qui m'a choqué, c'est surtout de cacher son jeu comme ça pendant des années. Ah ouais. On a vu d'un coup le vrai visage de Joujou. Gaspard Proust, qu'on n'a pas entendu sur ce sujet. C'est un vrai débat qui est en train de se jouer là. Je pense qu'on est en train de passer près de vrais sujets. C'est évidemment un acte éminemment politique et je comprends Joujou et sa réaction. Parce que quand vous jetez une bouteille d'eau vide sur le président de la République, vous dites, qui est en plastique, hein, je précise, c'est très important pour nos auditeurs, le recyclage, le Grenelle. Vous voyez, c'est toutes, ces choses-là. Mais je suis étonné que Gérard Miller n'ait pas réagi là-dessus. Il tombe sur l'agression. Vous m'étonnez beaucoup, Gérard. Tiens, j'ai un mail pour vous, justement, Gaspard. J'ai assisté à votre émission début mai, écrit Emmanuel. Et quelle ne fut pas ma surprise de constater la flagrante ressemblance entre Gaspard Proust et le plus célèbre des agents secrets, Austin Powers.
Très juste, très juste. C'est vrai, oh c'est non, vrai. C'est pas vrai. Avec sa touffe capillaire et ses lunettes en écaille, il ressemble à s'y méprendre, à ce cultissime personnage et son mojo, c'est ça, mojo. Mojo. Son mojo. Je connais pas Austin Power, je connais Austin Cooper, moi, qui va assez vite, mais je connais pas Austin Power. J'ai aussi un mail signé Jérémy, mais pas Jérémy Michalak, un autre. Il nous écrit plus, lui, Jérémy. Il a 18 ans, ce Jérémy-là, il dit « Je m'appelle Jérémy, j'ai 18 ans, je suis fan de Gérard Miller ». Oui. Ça existe. Oh putain, il y a des démarrages difficiles. Non, mais j'ai l'habitude, vous allez voir la chute. Étant belge, oui, ça déjà. On s'en serait douté. Ouais, les bons mails, on ne les lit pas à l'antenne. Étant belge, je souhaiterais donc savoir s'il a prévu de passer en Belgique pour nous présenter son spectacle. Merci d'avance de votre réponse et merci à vous tous pour les rires que vous pouvez me procurer quotidiennement. Alors, est-ce que vous. Il n'y a pas de post-scriptum, il n'y a rien, c'est juste sur mon spectacle. Est-ce que vous êtes en tournée en Belgique? Écoutez, j'ai prolongé la tournée pour votre plus grand plaisir jusqu'en mai prochain. Alors, donc si j'aurais tourné pendant 7 mais deux très ans. Longtemps en Belgique. Et donc, j'espère bien, en effet, passer en Belgique. Mais si, il y a un post-scriptum aussi. Ah, je le disais alors. Quand même. J'ai aussi des goûts un peu plus normaux à propos de vos chroniqueurs, puisque j'aime aussi Fabrice Eboué, Pierre Bénichoux, Gaspard Proust et Titoff. Et Paul Vermus aussi, mais ça, je m'en vante pas. C'est le petit truc honteux, quoi. Je faisais du babysitting hier. Je gardais un garçon de 9 ans en écoutant votre émission par podcast. Le fils a entendu la blague sur le chien de Stevie et de Pierre Bénichoux. Et quand ses parents sont arrivés, il a raconté la blague. Je suis viré. Je vous remercie. Monsieur Ruquier, je vous envoie ce message. Ça, c'est Wassim qui me dit qu'il a pris du temps pour justement faire une étude sur le temps de parole de chacun d'entre vous. L'étude consistait à calculer le temps de chaque chroniqueur. Sachant que votre émission dure 2h30, voici les résultats de mon étude. Laurent Ruquier, 40 minutes sur une émission de 2h30. Ensuite, Joujou, 24 minutes sur une émission de 2h30. Ensuite, Boubounet, Fabrice Eboué, 22 minutes. Titoff, 23 minutes. Christine Bravo, 26 minutes. Ah bah c'est elle est devant les autres alors. Ouais. Gérard Miller, 27 minutes. Bah, Isabelle Mergo, 22. Isabelle Motreau, 21. Isabelle Alonso, 23. Stevie, 24. Caroline, bon, ça se tient tout ça. Hein. Caroline Diamant, 23. Olivier de Kersauzon, 20. Et enfin, Pierre Bénichoux avec 40 minutes de temps de parole. Est-ce que c'est exact? Autant que vous, je ne sais pas comment vos chroniqueurs vont réagir, mais je vous prie de rétablir l'égalité du temps de parole. Mais les chroniqueurs, ils vont réagir quand on est déjà au courant. Hein. Est-ce que c'est exact? Ah, sûrement. Ce que c'est pas le chroniqueur, c'est que sur une émission de 2h30, Pierre parle environ 3h en réalité. C'est ça la vérité. Deux auditeurs patientes au téléphone. Bonjour Marie-Pascale, bonjour Karim. Bonjour. Je vous réveille, je vous dérange peut-être l'un et l'autre, non? Non. Ah bon, alors je vous entendais pas, Marie. Mais vous étiez en train de niquer ensemble ou séparément. Marie-Pascale, qu'est-ce que vous faites? N'écoutez pas Pierre, ne lui répondez pas. Vous êtes à Paris en tout cas. Je suis à Paris et là où je vous appelle de Clermont-Ferrand. Vous connaissez quelqu'un à Clermont-Ferrand, monsieur Ruquier, non? Ah, pas du tout. Je ne suis pas quelqu'un que très gentil. Chamaillère, moi je fais pareil. Marie-Pascale, faites quoi dans la vie? Alors, je suis déléguée à la protection des actifs, ce qui ne veut pas dire grand-chose. Protection des actifs. Donc, ma société commercialise, loue des palettes. Stevie, et donc, il y a moi, Stevie qui demanderait, est-ce que vous protégez les passifs aussi? Bon, je protège un peu tout, on va dire. Bon, c'est et bien, donc, alors. Je m'occupe de rapatrier dans le pôle de location. Ah, rapatrier, c'est moi. Bah, en même temps, je correspond un petit peu aux deux profils, entre les actifs passifs, les rapatriements. Marie-Pascale. Donc, d'accord, vous correspondez aux deux profils, mais de dos, vous êtes comment? Marie-Pascale, vous venez de dépasser une minute de temps de parole, c'est plus que Philippe Alfonsi, alors... Ouais, c'est pas possible. Il faut arrêter, Karim, bonjour. Oui, bonjour Laurent, bonjour à toutes les équipes. Oui, bonjour Karim. Alors, bonjour, je peux vous dire tout de suite, je déteste les belles voix. Parce que les belles voix, c'est bien pour les choses importantes, pour dire les enfants sont décédés, ou trucs comme ça, ou alors la guerre est déclarée. Mais vous vous rendez compte quand vous dites « Mon trésor, passe-moi le sel ». C'est ridicule, une belle voix. C'est vrai que vous avez une voix très virile, contrairement à Pierre, Karim.
Ah, j'allais dire que Pierre était mon préféré, donc. Bon, c'était mon préféré, mon petit Karim. Non, c'est vrai qu'il a une belle voix. Faites quoi dans la vie, Karim ? Ah, moi, c'est plus simple. Je suis directeur d'un centre de formation. Directeur d'un centre de formation. De formation de quoi ? On va vous envoyer Michalak. Ah, pas compétent pour Michalak. Vous nous écoutez tous les jours. Pas compétent pour Michalak. Genre, je suis hétéro, moi, tu vois. Ah, c'est ça que ça voulait dire. Ouais. Karim, faites quoi à part nous écouter et travailler dans ce centre de formation ? Mais c'est un centre de formation de quoi, Karim ? Bah, c'est d'alphabétisation, de la lutte contre l'illettrisme, de l'art mis à niveau. Ah, moi, je peux vous en envoyer quelques-uns, alors. Vous envoyez des chroniqueurs en stade. Ah, je vous envoie Caroline et Stevie, si vous voulez. Oh, attendez, j'ai cru son photo. Pas Stevie non plus. Mais Caroline, vous ne dites pas non, Karim. Non, non, je ne dis pas non. Ah, ah. Non, c'est vrai qu'elle a un gros potentiel. De toutes les femmes de l'émission, laquelle préférez-vous, Karim ? Je n'ai pas de préférence, elles sont toutes bien. Non, elles sont toutes bien. C'est vrai, même Claude Sarraute, vous êtes preneur. Ah, Claude Sarraute, c'est la meilleure. Ah, elles sont toutes bien. Claude Sarraute, c'est la meilleure. Ah, oui, c'est l'expérience qui paye, là. Ah, ouais. Karim, Marie-Pascal, à vous de nous dire maintenant quand on va jouer. Après la pub. Et voilà. Bravo. 16h, 18h30 sur Europe 1, c'est On va gêner, c'est votre rendez-vous divertissement de l'après-midi, on s'amuse, on rit, et puis on s'informe aussi, revue de presse, questions sur l'actualité maintenant, signé Laurent Ruquier, et on joue avec les auditeurs. Europe 1, on va gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Bon, la question va être très facile. Hein, pour partir à Cannes, à l'hôtel Martinez, Marie-Pascal ou Karim, il va falloir être rapide pour me dire avant, mes camarades, vous avez 10 secondes d'avance, pourquoi la chanteuse Patricia Gatacheka est-elle régulièrement dans les journaux depuis une dizaine de jours ? Gatacheka. Parce qu'elle a aidé... C'est la chanteuse qui a fait le zénith, là. Elle a aidé à planquer Yvan Colonna pendant sa fuite et elle n'a pas trouvé que c'était quelque chose d'anormal. C'était un geste naturel, selon elle. Alors, Karim, c'est bien d'avoir une jolie voix, mais penser qu'elle faisait le zénith, en revanche, c'est une belle connerie, Karim. Ouais, je vois ça, ouais. Bonne réponse de Marie-Pascal. Vous êtes contente, Marie-Pascal, hein ? Bah oui, il s'avère que je serai à Cannes ce soir parce que j'y vais régulièrement. Donc je redescendrai au Martinez. La chambre d'hôtel, c'est pour le mois de décembre en fait. Hein, mais, mais là, vous êtes à Cannes et vous êtes logé où à Cannes quand vous arrivez de Paris, à Clermont-Ferrand. Au Carlton. Où est-ce que c'est vous êtes ? Ma meilleure amie. Chez votre meilleure amie. Donc vous pourrez aller à l'hôtel Martinez. À l'hôtel Gonzalez, vous pourrez aller. Et vous allez profiter de la chambre avec qui ? C'est pas indiscret, Marie-Pascal ? Ah bah je ne sais pas, je vais voir. Ça va dépendre si je suis active avec ou passive. Avec Marie-Rogère. Vous avez plusieurs possibilités alors. Bah, on va dire que j'ai quelques ouvertures, on va essayer de les travailler. Ça c'est pas mal ça. Moi j'aime bien les gens comme ça, célibataires. Vous êtes célibataire ? Un peu open quoi. Complètement. C'est indiscret de vous demander votre âge, Marie-Pascal ? Pas du tout, 42 ans. 42 ans. Alors là, Dieu sait que j'aime pas la Côte d'Azur, mais là, 42 ans, j'y vais. Tiens. Est-ce que vous avez déjà songé ? Est-ce que vous aimez la Côte d'Azur ? Maturité, on va dire. Et moi, vous me trouvez trop vieux, évidemment. Ah non, mais vieux veut dire aussi maturité et expérience. Oh la coquine. Quand on vous pose cette question-là, on ne dit pas ça veut dire maturité, on dit non. Vous me trouvez trop vieux ? Non. Voilà, c'est tout. On ne va pas demander de vous faire une dissertation. Je ne vous trouve pas trop vieux. Ça peut être pas mal une après-midi avec Pierre Bénichou si vous commencez à regarder les chiffres et les lettres, après Derry. Et si les feuilletons allemands vous ont plu, hein. Ah ben moi j'aime bien parce qu'on le est quand même obligé de regarder l'Éric. Mais après manger pendant que je ronfle. Marie-Pascal, il y a une autre solution, c'est partir au Martinez avec Karim, parce qu'il a l'air... Il a l'air d'en avoir. Ouais. Karim. Je suis désolé, Karim. Est-ce que vous partiriez avec Marie-Pascal, Karim ? Je suis pas dispo. Mais non, on va faire un effort, c'est Martinez. Mais t'es frais quand même, non ? Je suis pas dispo. Mais t'es pas dispo. Ça va, personne s'en rend compte. On dirait grand corps malade quand il parle, Karim. Redis, je suis pas dispo ? Je suis pas dispo. Ouais, grand corps malade, c'est ça. Et non, il a rabaissé son caquet, Karim. Il a commenté, il voulait tout casser. Maintenant, il est pas dispo. Ouais, il connaît pas l'actualité, il sait même pas quelles sont les chanteuses qui, quoi, et tout. Ah, elle doit être belle la formation.
Et puis attention, vous n'avez pas tout perdu, Karim, puisque vous pourrez offrir ou à votre compagne. Vous êtes papa, Karim ? Oui, je suis papa, oui. Eh bien, alors, votre compagne est donc maman ? Tout à fait. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on donne pas bonne à Karim une machine à caresses ? Bonne déduction. Eh bien, vous allez gagner et recevoir très vite la fameuse boîte à caresses que nous offrons pour la boîte des mères. La boîte des mères ! La boîte des mères ! La boîte des mères ! Ah oui, c'est Stevie, le patron. Ouais. Bonne boîte, maman. Ouais, c'est intéressant. La boîte des mères ! La boîte à caresses, tant futur. Pour vos parents, ma mère travaille dans la boîte des mères. C'est la marque Kirines qui vous offre cette boîte Kirines, à caresses. C'est une marque suisse, une marque de soins qui pourra évidemment être très agréable sur le visage de votre compagne ou femme. Vous êtes marié, Karim ? Oui. Voilà, le meilleur de l'expérience spa de Kirines avec des démaquillants et des soins haute précision. Bravo à tous les deux. Bravo. On vous embrasse. Merci. On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. Jusqu'à 18h30. Qui a inventé Charles Goodyear il y a 150 ans dont on... Le pneumatique. Non, mais ça évidemment, alors ce serait trop facile. Ouais. Pourquoi pas aussi le 31 décembre tant que vous y êtes. Ça, la nouvelle année. Charles Goodyear a inventé quelque chose il y a 150 ans qu'on voit encore beaucoup aujourd'hui. La semelle. Non. Une utilisation du caoutchouc. Oui, évidemment. Oui, la capote. La capote, non. Caroline Diamant. Oui, la capote Goodyear. Ah ouais, ils en font des réchappés maintenant. Ils sont déjà servis, tout c'est ça. C'est pas en caoutchouc. C'est quand tu baises un bibendum. La capote qui laisse des traces de pneus. On plane dans les miches, hein. Est-ce qu'il y a une façon de poser la question particulière ? Est-ce qu'il y a une ruse dans votre... Pas du tout. Charles Goodyear, pardon, a inventé il y a 150 ans quelque chose dont on parle et qu'on voit encore beaucoup. Quand je dis aujourd'hui, je devrais même dire en ce moment. Est-ce que quelqu'un l'a dans la... Des raquettes ? Non. Du fil de raquette ? Non. Non, des ballons de foot. La balle de tennis. La balle de tennis. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Sans lui, pas de balle. C'est le titre de l'équipe aujourd'hui, il y a 150 ans. Mourait. Alors, tiens, il y avait une erreur dans ma question. Il l'a pas inventé il y a 150 ans. Il y a 150 ans qu'il est mort, Charles Goodyear. Un inventeur génial, grâce à qui les balles de tennis peuvent rebondir lors de la quinzaine de Roland-Garros. Parce qu'avant, elles rebondissaient pas? Bah non, avant, c'était des boum. Elles faisaient boum. Ouais, avant, ils jouaient avec des boules. Ah, donc on jouait pas. Si on jouait, on jouait. Avant, ils jouaient au tennis avec des balles en cuir. On jouait comme au jeu de paume, c'est ça, oui. On se condit pas aussi, c'est la joie que Charles Goodyear a apporté à mon chien. Parce qu'alors, vraiment. C'est pas seulement mon chien, dire c'est fou comme les chiens aiment les balles de tennis. Alors ça, j'adore ça, parce qu'ils peuvent les mordre. Oui. Hein, oh, pas mieux. Alors là, c'est un spécialiste vétérinaire dans l'émission. Le grand spécialiste animalier Pierre Bénichoux vous parle. Expliquez-nous. Non, Pierre. Mais vous aimez pas les bêtes, vous pouvez pas me comprendre. Vous aimez pas les bêtes, alors vous êtes évidemment cynique dès qu'il s'agit d'animaux. Enfin, je parle devant mon ami. Non, mais Pierre, vous mettez trois balles différentes, franchement, devant un toutou, Pierre. Hein. C'est vrai. Oui. Ah, je vous jure, vous mettez une balle de tennis sur les trois, voilà. Il va vers la balle de tennis. Bien sûr. Oui. Et si vous mettez carrément une avec la tête de Gérard Miller, il la lâche pas de la journée là-bas. Les chiens m'aiment beaucoup. Si. Pas autant que les chiens, par exemple, à vous, Laurent m'adore. Dès qu'il vous voit, il lève la patte, il vous pisse dessus, non, c'est non, vous non, dire. Non, pas du tout, c'est il court. Ouais, c'est parce qu'il sait que tu connais Michel Drucker, c'est pour ça. Ah non, il m'adore. Qu'est-ce qui se passe, Pierre Bénichoux ? Rien, je suis sur un coup. Je peux être sur un coup une fois de temps en temps. Pierre, c'est deux mecs. Hein. Non, c'est pas deux mecs. Je suis sur un coup. Et alors, je disais au mec qui est avec elle, c'est votre femme, votre sœur, votre fiancée. Ils m'ont dit non. C'est ma mère. C'est vrai que tu es toujours en train de draguer. Tu peux parler. Non, mais je te jure, quoi. C'est Madonna qui traîne White House de l'infomane, quoi. La Maison Blanche. White House. Non, ouais. Comment elle s'appelle ? Amy Winehouse, pareil. Mais attendez, pourquoi vous choisissez cette pauvre jeune femme qui est là, elle plutôt qu'une autre, Pierre ? Parce que cette pauvre jeune femme, comme vous dites, est ravissante. Oui. Et qu'elle m'a fait un clin d'œil assez salace. Mais c'est vrai, regardez, elle est là, elle se tortille et tout, mais elle est heureuse que Pierre la dresse. Je pensais pas qu'elle se tortille comme personne. J'ai jamais vu ça, mais ça vous rend vraiment heureuse, madame, hein, que Pierre vous drague. Ah, je l'adore. Elle adore. Oh là. Venez au micro, madame, parce que ça nous intéresse, on en tient une. C'est incroyable, ça. En même temps, moi, je vis en Floride et j'écoute votre émission en podcast grâce à Monsieur Bénichoux, qui, j'espère, a une augmentation parce qu'il le mérite. Oh là là. Non, honnêtement, je le trouve. Bon, en même temps, j'ai des goûts peut-être un peu bizarres. Si j'ai...
J'aime bien Donald Trump aussi. Donald Trump et Benichou, donc. Ah oui. Donald Trump. Mais il est très beau, j'adore. Ah oui, Donald Trump, celui qui a fait la tour, là. Oui, c'est un ami. Non, Pierre, c'est bien, vous voyez. On vous remercie. Ah non, mais j'adore. Mais moi, je dois aller en Floride cet été. Oui, je sais que vous étiez à Miami il n'y a pas longtemps. Oh là là, elle est vraiment. Oui. Mais vous l'avez c'est dommage, il aurait pu le dire aux auditeurs. Enfin, moi, je serais venue. Hein, mais vous l'avez su par la presse? Vous avez su comment? Par M. Ruquier, il m'a appelé. Ah, vous avez dit, il y a la Béniche. Vous êtes du Midi. Il y a la Béniche. Ouais. Qu'est-ce que vous faites en Floride? Je fais un doctorat à l'Université de Floride et j'enseigne le français aussi. Donc, Gérard, Gaspard, soyez pas jaloux. Regardez, ils font la gueule, les deux, là. Je vais vous trouver quelqu'un dans le public. Mais moi, je suis pas beau, hein, je suis pas intelligent. Je plais, c'est tout. C'est un homme. On vous remercie, mademoiselle. Merci à vous d'envoyer, là. Franchement, zéro pour vous, Gérard. Et qu'est-ce qu'il y a, Gaspard? Non, moi j'écoutais comme ça cette déclaration d'amour à Bénichou. Je me dis, tiens, il est beau, il plaît, je sais pas quoi. Enfin, il a rien, ce type-là. Bien, bon, écoutez, arrêtons de parler. Moi, parlons de mon œuvre. Laurent Ruquier, 7 jours sur 7 sur Europe 1. On va se gêner jusqu'à 18h30. Pour découvrir les coulisses d'Europe 1, deux possibilités, 39, 21, 34 centimes d'euros la minute ou europe1.fr. Un père a été condamné à 2 mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Poitiers pour avoir fait quoi ? À son enfant, à son fils en l'occurrence. Il a fait avaler son carnet de notes. Il lui a fait manger son carnet de notes. Bonne réponse de Gaspard Proust. Bon. Condamné pour avoir fait manger son bulletin de notes à son fils. Bon, il l'avait frappé aussi, mais faut quand même dire qu'il était pas, enfin ça, on l'aura compris, pas satisfait des résultats de son. Ah oui, tu m'étonnes. Si en plus il a eu 18, le petit. Le collégien a eu un œil tuméfié, la lèvre coupée. Oh, à son retour en classe, l'établissement scolaire a alerté les services judiciaires. Outre les 2 mois de prison avec sursis, le père de famille devra également, ça je trouve ça incroyable, payer 1 euro de dommages et intérêts à son fils. 1 euro. Oui, c'est symbolique, encore une fois, c'est symbolique. Ça donne vachement confiance en la justice quand t'es un môme. Ouais. Tu t'es fait tabasser la gueule par la personne au monde qui est censée te protéger. On sait pas, c'était peut-être bon, le bulletin de notes. Ouais. Hein? Non, mais surtout, c'est pas ça, c'est qu'après, en plus, comme c'est son fils, c'est 1 euro, si ça se trouve, il peut les récupérer. Non, mais en plus, il aurait eu 2000 euros, je vois pas ce que ça aurait changé. Oui, c'est pas ça le problème, je suis surpris même qu'on condamne. Non, mais c'est le sursis, moi, qui m'étonne. Le carnet de notes, en général, tu le manges tout seul, quoi, sans qu'on te le demande. Oui, c'est ça, tes notes, toi, tu te dépêches vite, tu termines. Vous n'avez jamais travaillé avec des enfants battus, mais le pire avec les enfants battus, très souvent, c'est quoi? C'est qu'ils aiment leurs parents et que c'est très compliqué, effectivement, d'obtenir des enfants un jugement négatif sur leur. C'est normal. C'est normal. Mais bien sûr, mais c'est ça qui fait que c'est très difficile, effectivement, de régler ces histoires-là. Parce qu'effectivement, c'est à la fois l'être le plus proche, le plus précieux, et en même temps, il cogne. Parce que quelque part, ces enfants ne pourront jamais reprocher à leurs parents qu'ils ont été absents, vous voyez. Ça, c'est pas faux. Une autre question, quitte les enfants battus, parce que quand même, c'est, en plus ça fait peur à Jérémy qui se dit, je vais peut-être en prendre une bientôt. Je vous emmène du côté de Narbonne, à une trentaine de kilomètres de Narbonne seulement, précisément Saint-Laurent de la Cabrerisse, c'est dans l'Aude donc. Qui est venu chercher une compagne à Saint-Laurent de la Cabrerisse et tout le monde en parle? C'est un ours et son nom? Balou. C'est Balou. Bonne réponse de Gaspard Proust. Ah non, mais l'air supérieur que tu prends pour pour dire Balou. Ouais, genre Balou. Mais comment vous savez ça? Il a lu le Parisien. J'ai regardé la télé hier soir. Ça m'arrive une fois tous les mois et c'est tombé sur moi. Voilà. Dans le Parisien, il y a quelques lignes, mais c'est surtout dans France Soir qu'on a la photo de Balou. Et d'ailleurs, on en parle aussi dans les gratuits. Un ours quitte les Pyrénées pour la mer. Balou est descendu de sa montagne pour s'aventurer à une trentaine de kilomètres de Narbonne et de ses plages. C'est un promeneur qui a relevé les empreintes près de Saint-Laurent de la Cabrerisse, les empreintes de Balou, sûrement à la recherche d'une femelle. Hein, ah oui. Il l'a cherché, mais il ne l'a pas trouvé. Oui, parce que c'est la période de rut. À Narbonne, il y en a. C'est ça. Il n'a pas envoyé un SMS pour prévenir qu'il allait chercher une meuf. Quoi. Non, c'est pas. Il n'est pas sur le Narbonne, mythique, ce con. Il pousse un peu, il va jusqu'au Cap d'Agde, il va en trouver des femelles. Il y a plein de gens à poil comme lui, pareil. Mais alors, c'est bien un ours qui s'appelle Balou, pour une fois. Ah ben oui. Bah oui, c'est un vrai nom d'ours. Oui, mais c'est lui qui paraît que c'est. C'est lui qui voulait s'appeler Balou, carrément. Non, les parents d'ours souvent appellent leurs enfants de noms d'ours. Non, mais
D'habitude, on leur donne des noms de cons. Un beau ours, vous avez pas remarqué. Non, il y a Cannelle. Il y a Cannelle, c'était ridicule comme nom. Ben voilà, tandis que Balou. Les animaux, comment tu veux les appeler ? Non, mais je dis pas que tu peux pas les appeler comme ça. Comment tu l'appelles ton perroquet, toi ? Mao. Mao et Bimbo. Attends, j'en ai deux, moi. C'est Mao et Bimbo. Mao et Bimbo, c'est comme ça que tu le sais. Ben oui, c'est lui et sa femme. Le sacrilège, que tout ce que tu as adoré toute ta vie, maintenant tu le donnes à un perroquet. Pas du tout. C'est un très joli animal, le perroquet. C'est les deux choses pour lesquelles Gérard a toujours été attiré. Mao et Bimbo. Exactement. Il n'y a pas de hasard. Hein, oui. Alors, sauf que la bizarrerie... Il n'y a pas besoin de faire payer 500 balles à quelqu'un pour comprendre ça. La bizarrerie, simplement, c'est qu'évidemment, tout le monde pense que Mao, c'est le mâle et Bimbo, la femelle. Pas du tout. Et c'est l'inverse, parce que lorsqu'on prend des perroquets, ça vous semble peut-être bizarre, mais on ne peut pas savoir leur sexe. Et donc, la personne... Il ne suffit pas de regarder. Ben non, justement. Et donc, j'ai demandé à la personne qui me les a vendus, m'a dit, oh, je pense que c'est un garçon, je pense. Et après, il faut prendre une plume et faire un test ADN pour avoir le sexe du perroquet. Vrai, je vous ai appris quelque chose. Mais ça s'entend pas, pas à la voix. Il n'a pas de sexe, le perroquet. Et ben on ne le voit pas et on ne peut pas le savoir. On le voit pas. C'est comme Jérémy alors. Mao, donc, j'ai appelé Mao et après j'ai reçu le test ADN deux mois plus tard et je me suis aperçu que Mao était une fille. Vous avez fait faire un test ADN pour savoir si le perroquet était vraiment de vous. Ah mais c'est incroyable, Mao et Bimbo, le petit livre rouge et le petit triangle noir. C'est très joli, exactement. Le retour de plus beau sur Terre. Le retour de Macy Gray, la chanteuse américaine, avec un nouvel album, The Sell Out. L'album sortira le 28 juin. Écoutons ensemble la dernière chanson de Macy Gray, Beauty in the World. Allez, on retourne du côté du studio Merlin pour On va gêner avec Laurent Ruquier avec ses questions sur l'actualité. Aujourd'hui, Libération propose d'aller sur son site libération.fr pour visionner une vidéo de l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel, vidéo dans laquelle on voit un débat Dominique Strauss-Kahn, Nicolas Sarkozy. Qu'y a-t-il d'étonnant dans ce débat qui date de 1993? C'est qu'ils ont des positions opposées à celles qu'ils ont aujourd'hui. Non, oui, mais justement, sur quel sujet? C'est sur la retraite. Alors expliquez. Sur la retraite, c'est que au cours de ce débat, Nicolas Sarkozy a dit « Je ne toucherai jamais à la retraite à 60 ans. » Voilà, alors que Nicolas Sarkozy vient de dire « C'est bien la folie des années Mitterrand et tout ça. » Alors c'est pas mal, mais c'est mieux que ça encore. Plus précis. Encore mieux? Ah oui, c'est encore plus... Il parle de la retraite à 60 ans et il considère que c'était vraiment une des bonnes choses, rares bonnes choses de Mitterrand. Il va pas jusque là, mais encore que, il dit précisément, Sarkozy, dans ce débat... Que c'est un acquis, qu'il faut absolument pas... Voilà, effectivement, parce que Dominique Strauss-Kahn, c'était un débat pendant les législatives de 93, Desca dit à Sarkozy, si la droite passe, vous toucherez aux acquis sociaux, et Nicolas Sarkozy lui dit, non, on ne touchera pas aux retraites, d'ailleurs, que dit-il ? D'ailleurs, si je compte bien prendre ma retraite moi-même. Si je deviens président de la République... Il y a 20 ans, il dit pas ça. Il dit qu'il veut abaisser l'âge de la retraite. D'ailleurs, c'était une proposition de droite de maintenir la retraite à 60 ans. Non, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, Mais il dit, je m'y engage. Non, il dit, la droite n'a pas l'intention de remettre en cause la retraite à 60 ans. D'ailleurs, c'est une décision de droite de la porter à cette année. Non, c'est Mitterrand. Il fait une comparaison avec une autre mesure ? Non, mais enfin, écoutez, réfléchissez un petit peu. Oui. Si on pouvait réfléchir, on serait Qu'est-ce qu'il peut dire pour prouver qu'il y tient à... Je l'ai voté. Voilà, exactement. D'ailleurs, je l'ai voté moi-même. Je voudrais dire que j'ai voté pour le RMI et que j'ai voté pour la retraite à 60 ans, que les choses soient claires. Bonne réponse de Gérard Miller. Mais attendez. Là où c'est encore plus drôle, c'est qu'il dit ça dans le document, mais Libé précise derrière, une affirmation d'ailleurs fantaisiste, puisque Nicolas Sarkozy n'était pas député, quand la loi des retraites a été votée. Oui, c'est-à-dire qu'on en est dans le triple mensonge. Non, d'accord. Ah, c'est pas un mensonge. Ah bah. Il peut très bien en 93 être pour la retraite à 60 ans pour ne pas y toucher et 17 ans plus tard alors que mais c'est pas ça le mensonge. Non, c'est le fait de dire d'ailleurs je l'ai voté alors qu'il a voté chez lui quoi. C'est un mensonge. Je suis désolé, le débat, il a attaqué Mitterrand en disant c'est bien un des symboles des années Mitterrand. Donc il reproche bien Mitterrand, il est mort en 95. C'est une sorte de reproche rétroactif. Donc en 93, 2 ans avant la mort de Mitterrand, alors c'est absolument honteux. J'ai rarement vu dans ce pays un tel
combat de tous les médias, de tous les hommes politiques, de tous ceux qui parlent pour nous convaincre que c'est impossible que la retraite reste à 60 ans. Je n'engage pas le débat, est-ce que c'est vrai ou pas, mais j'ai rarement vu, peut-être au moment de la Constitution, ça pour qu'on vote oui. Ça rappelle un peu, voilà, exactement. C'est dire. Tout le monde... La Constitution. Toi, le oui au référendum. Moi, j'ai voté toi, non. Oui, mais toi, tu vas la prendre, la retraite, à 60 ans? Bah, je serais mal placé, là, pour le faire. Que, moi, tu sais beaucoup jusqu'à quel âge, comme professeur, je peux rester? Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, c'est que je suis professeur à l'université. Il les a déjà... Voilà. Mais c'est pas seulement ça. C'est pour ça que j'ai demandé. C'est pas seulement ça. C'est que professeur à l'université, tu peux rester jusqu'à 67 ans. Ce qui est surtout drôle, c'est de dire qu'il a voté la retraite. Oui, alors qu'il n'était pas député. Alors qu'il n'a été élu député qu'en 88 et que ça a été voté en mars 82. Voilà. Mais c'est son côté visionnaire. Il vit en avance sur son temps. Il pensait être là alors qu'il ne l'était pas. Donc c'est aussi une qualité. Puis l'opportunisme, globalement, c'est une manière de vivre en accord avec son temps. C'est vraiment une preuve d'adaptabilité. Je vois pas pourquoi on critique ce type de comportement. Surtout en politique, on veut que les hommes politiques soient honnêtes. Alors que c'est pas le but. Le but, c'est d'être là, ancré dans le réel immédiat, dans l'actualité qui distille comme vous ça. Vous voyez, tout ça veut rien dire parce que j'ai vu son spectacle et il était très drôle. Mais là, le but, c'était pas de faire une vanne. Et attendez, il est rancunier. Pierre est très rancunier. Ça fait à peu près au moins une demi-heure qu'il a vanné. Non. Peut-être rancunière, mais pas rapporteuse. Voilà. En tout cas, sur les 60 ans, Gérard, on a bien compris que vous serez de la manif avec Bernard Thibault prochainement. Quoi. Je suis absolument pour la retraite à 60 ans, avec la possibilité d'aller évidemment plus loin, si on le souhaite, et de tenir compte, même si ça n'a pas été fait comme ça, de la pénibilité du travail. Alors, ça me semble quand même simple. Ah bah oui, moi, je dis, c'est pas la pénibilité du travail, c'est la pénibilité d'être chez soi avec son vieux mari ou sa vieille femme qui doit être terrible. Aussi, mais la pénibilité du travail, il y en a... certains boulots, il faudrait prendre la retraite tout de suite. Alors, bah, vous ne croyez pas si bien dire. Pourquoi vous croyez qu'il y a autant de couples qui divorcent une fois arrivés à la retraite? Mais bien sûr, les gens savent qu'ils ont maintenant un vrai moment de vie. Justement, je pense qu'il faudrait l'inverser. Parce qu'ils sont... Mais pas avec la même, c'est ça? Moi, je pense qu'il faudrait faire l'inverse, en fait. Voilà. Il y a sans compter ceux qui baisent au bureau. Et qui vont plus pouvoir. Et ça, c'est très emmerdant quand la retraite arrive. Parce que là, évidemment, une fois rentré à la maison. Mais ceux qui, pas seulement qui baisent au bureau, qui boivent au bureau, qui sortent avec leurs potes au bureau, qui regardent le football au bureau. Mais vous et quand c'est le jour où ils rentrent à la maison, la femme dit, dis donc, il y a une émission avec Bernard Kivot, je pense qu'il. Alors il dit, oh oui, c'est bien. C'est mieux que ces conneries de match. Je dis, oui, c'est bien, c'est bien. Tiens, je boirais bien un petit coup. Oui, j'ai acheté du Coca-Cola. J'ai un tuyau pour tirer. C'est demain, tu vas pas te mettre joueur. Alors il dit non. Et au bout de 8 jours, il la tue à coup de serpe. Le mieux pour travailler, c'est le bon âge pour 60 ans pour travailler. Ah oui. C'est l'inverse qu'il faudrait faire. Il faudrait pas travailler. Il faudrait commencer à travailler vers 45-50 ans. Ah, vous n'avez pas commencé par jusqu'à exemple. Jusqu'à 80 ans. Voilà. Je vais appliquer à moi-même. Joujou, puisque maintenant, on a compris que vous vous mouillez politiquement. On attend votre point de vue là-dessus. Alors. Ce qui concerne la retraite à 60 ans. Je prendrai pas de risque. J'ai bien compris que ça va tirer les foudres de tout le monde. Donc non, mais en même temps, bon. Moi, j'ai 56 ans de cotisation, j'ai calculé. Et vous croyez pas si bien dire. Moi, j'ai fait le calcul. Vous voyez, comme quoi c'est un débat qui sert aussi, parce que j'ai fait le calcul. Moi, je me suis dit, parce qu'il faudra peut-être 42 ou 43 ans de cotisation. Moi, en fait, j'ai pas bossé très tôt, puisque j'ai commencé à travailler. Je dois avoir commencé à travailler en 88. Oh là là. Et j'avais 25 ans, parce que j'ai fait les études. J'ai fait des études après le bac, j'ai été pion. Est-ce que les salaires de pion... Bien sûr. Tout salaire compte. Ah oui, même quand on est pion pour l'éducation nationale, Si tu touches un salaire. Et oui. Qu'on est étudiant en même temps. Si t'es salarié, oui, normalement. Si t'es salarié, oui. Bien sûr. Ah bon, alors donc j'ai quand même 2 ans en plus, alors. C'est vrai, il faut savoir si c'est des trimestres complets. 88, ça fait 86 à aujourd'hui. Ça fait 24 ans quand même. Bah, tu travailles encore 24 ans et tu prends la place de Bouvard. Non, parce que 24 plus 4, j'en ai 47, on va pas gâcher mon âge. 24 plus 47, ça fait quand même qu'il faut que je bosse. Si c'est 42 annuités, ça fait encore 18 ans. Pauvres auditeurs! Vous avez raison, Gérard, je suis pour la retraite à 60 ans. Mais. Le problème, c'est pas seulement de la prendre à 60 ans, c'est de la prendre avec quelle somme. Quand il y avait eu, vous savez, les grandes grèves de la SNCF, on disait, mais regardez, c'est privilégié. Mais la plupart des mecs de la SNCF qui partent effectivement relativement tôt par rapport à la masse des gens, partent avec des retraites minables, en tout cas faibles. Donc le problème, c'est aussi à savoir avec combien d'argent vous allez vivre quand vous serez retraité. Le train de vie, ce qui est important pour la SNCF, c'est le train de vie. Non, mais ce qui est... Non, mais après...
Gaspard Proust. Je sais pas, j'ai beaucoup d'idées qui s'en mêlent, mais non, mais ça va me revenir. Mais c'était génial. Il doit y avoir un bordel dans ta tête, ça doit être impressionnant. Moi, j'aimerais parfois, juste si ça t'ennuie pas, que j'aille jeter un coup d'œil un jour. Dans sa tête, oui. Ah oui, dans sa tête. Non, mais c'est pas mon genre. Hein. Bon, enfin, Caroline, mais elle est folle aujourd'hui. Elle a réussi à placer bite, couille et cul en moins d'une heure. Un gros mot peut-être. Mais tu m'as jamais proposé, Caroline. Mais c'est fou, mais qu'est-ce qui vous arrive en disant un gros mot qu'on est drôle. Caroline, il y a un moment, c'est un petit signe de la démence précoce. C'est vrai. La démence précoce, c'est notamment chez les gens, tout d'un coup, se mettent à être grave bleu alors que. Ah, c'est peut-être le syndrome de Tourette. Titoff, vous n'êtes pas prononcé, vous, sur le sujet. Alors, non, parce que là, vous avez déconné en disant on commence tard. Bien sûr. Non, mais ceci dit, politiquement, je suis pour une espèce de capitalisme. C'est-à-dire, c'est un mélange entre le capitalisme et le communisme, en fait. Ah, ça veut dire que moi, par exemple, si j'étais au pouvoir, je mettrais le RSA, je le mettrais déjà à 1500 euros. Oui. Le SMIC à 2005. Oui. Et comme ça, je créerais du capital, de la richesse chez les gens, et comme ça, les gens auraient du pouvoir d'achat. Et puis là, après, à ce moment-là, quand, mettons, tu gagnes 1500 euros alors que tu travailles pas et que tu restes chez toi, si en plus tu vas agresser des vieilles, c'est que vraiment là, t'es tordu, quoi, tu vois. Gaspard, vous y ajoutez ? Qu'est-ce qui se passe ? Je sais pas, je voulais juste meubler avant 17h. Ah, vous voulez que. Et vous m'avez choisi pour meubler ? Ouais. C'est sur vous que ça tombe. Je sens que les auditeurs vont s'éclater. Allez, on se retrouve après les titres. 16h, 18h30 sur Europe 1, avec Laurent Ruquier. On va se gêner. Laurent Ruquier sur Europe 1. On va se gêner. C'est la deuxième heure d'On va se gêner, toujours avec Caroline Diamant, Pierre Bénichou, Jérémy Michalak, Gérard Miller, Gaspard Proust et Titoff. Ah, il y a une petite histoire qui nous a été envoyée par certains auditeurs. Enfin, un auditeur, je vois pas beaucoup de certains, parce qu'ils sont pas plusieurs à envoyer la même. Ça arrive, remarquez. Mais là, c'est pas le cas. Hervé, c'est une histoire que j'ai pas tentée tout à l'heure en début d'émission, parce qu'elle est assez, elle est courte. Ouais. Elle est un peu spéciale. Mais en même temps, peut-être elle peut vous décrocher un sourire. Je la tente, hein. C'est une fourmi et un éléphant qui passent une nuit d'amour, mais torride. Le matin, l'éléphant est mort. Et merde, dit la fourmi, une nuit de baisse seulement et je vais passer le reste de ma vie à creuser sa tombe. Hein, c'est pas mal. Elle est mignonne. Hein, si tu l'avais raconté, par exemple, avec Je joue et Caroline Diamant, par exemple, ça aurait fait plus rire. C'est vrai que ça marchait mieux. Ah oui, c'est vrai, j'avais pas pensé. Non. Ah ben, je peux la refaire alors. Vas-y, essaye. C'est Jérémy et Caroline qui passent une nuit d'amour torride. Le matin, Caroline est morte. Et merde, dit Jérémy, une nuit de baisse, je vais passer le reste de ma vie à creuser sa tombe. C'est vrai que c'est mieux. C'est vrai qu'elle est plus drôle. Il savait que c'est. De même qu'il y a les blagues belges ou les blagues de blondes, il y a les blagues fourmis éléphants. Ah oui. Il y en a toute une série. Vous en avez une, vous? Bah oui, il y a la petite fourmi et l'éléphant qui sont dans le désert et qui marchent ensemble et la petite fourmi dit à l'éléphant, t'as vu qu'est-ce qu'on soulève comme poussière tous les deux quand même? Tu m'étonnes qu'il y ait des gens dépressifs avec toi. Mais moi, c'est tu crées du boulot toi-même. C'est trop mignon, c'est un éléphant qui est là. Il y a une souris qui monte sur lui, comme ça, sur son dos, et puis elle va près de son oreille, elle comme ça, elle lui dit à l'oreille, ce que t'es grand, ce que t'es fort, ce que t'es beau, ce que t'es puissant, mais quelle chance d'être comme ça, mais quelle merveille tu es. Et alors elle lui dit, toi t'es toute petite, t'es toute noiraude, t'es immonde, t'es dégueulasse, t'es un petit insecte de rien du tout. La fourmi lui dit, oui mais moi j'ai été malade. Oui, c'est très joli. c'est une petite fourmi et un éléphant qui vont devant le maire et la petite fourmi dit monsieur le maire on voudrait se marier. Alors, le maire dit mais enfin une petite fourmi avec un éléphant mais c'est pas possible. La petite fourmi dit oui je sais bien mais c'est pour notre enfant. Ah celle-là est mignonne, elle est meilleure. Oui, Gaspard. Est-ce que je peux remonter le niveau? Oui. Allez-y. Alors c'est un ours qui se promène dans une forêt, il rencontre un renard. Non, il rencontre un lapin d'abord. Il dit, hey, petit lapin, t'as envie de faire l'amour avec moi? Et puis le lapin dit, oui, bien sûr, pourquoi pas. Donc ils vont dans un fourré, ils pratiquent. 5 minutes plus tard, on retrouve l'ours qui se promène toujours dans la forêt, puis qui rencontre un renard. Il dit, tiens, petit renard, est-ce que ça te dirait de forniquer avec moi? Le renard, bien sûr, dit oui. Alors il commence, et tout à coup, le renard a une remarque, il fait, mais ours, tu es très poilu. Et l'ours, il dit, ah bon? Oui, mais tu es très poilu partout. Et là, l'ours regarde vers son pubis et il se dit, merde, le lapin. Si, si.
Si, celle-là, on la prend. Si, si, si. Bon, ce sont des histoires animalières en même temps. C'est un bon charme. Mais pourquoi pas, on peut lancer la mode dans l'émission. Claire Grégoire, bonjour. Bonjour. Vous aimez ce genre d'histoire, Claire? Dites la vérité. Dites la vérité. Raconté par Gaspard Proust, moyennement. Ah, pourquoi? Vous n'aimez pas Gaspard? Pas vraiment, mais bon, c'est pas grave. Laurent m'a demandé d'être franche. Ah bah oui, mais vous avez raison. Alors, c'est qui votre préféré dans l'équipe? Bah moi, j'ai une passion pour les filles dans votre émission. Ah, les filles? Donc ah oui, qui? Je comprends maintenant. Qui, par exemple? Isabelle Mergault et Claude Sarraud, dont je suis fan absolue. Très bien. Voilà, j'adore ce que fait Isabelle Mergault. Ouais. Caroline Diamant, oui. Je trouve qu'il y a beaucoup d'humour. Puis les garçons, ça je dois vous le dire, à part vous, Laurent, qui est vraiment un chef d'orchestre hors pair. Merci. Vous m'avez fait apprécier deux personnes que j'aimais pas trop. Qui? Titoff et Olivier de Kersauzon. Ah bah alors écoutez, parfait. Alors si vous voulez. Voilà. J'allais dire un truc. Elle serait pas j'allais, trop dire, j'allais dire un truc, mais finalement, vous êtes très bien en fait. Grégoire. Titoff, ça fait beaucoup rire et voilà, il a un sens de la répartie, un humour. Et Kersauzon qui doit être charmant dans la vie, j'en suis persuadé. Oui, absolument. Oui, oui. Si jamais toi tu gagnes, moi je me coupe les... On prend le palais. Olivier de Kersauzon sera là demain pour votre plus grand plaisir, Claire. Et je vire Gaspard dès ce soir. Ouais. Grégoire est à Paris. Bonjour voilà. Grégoire. Et vous alors, puisqu'on est dans la franchise, alors allez-y, balancez. Dites qui vous n'aimez pas, ce qu'il faudrait supprimer dans l'émission, les moments qui vous plaisent le moins. Allez-y. Non, je vous dirais qu'avant Christine Bravo, j'adhérais pas. Si finalement, vous m'avez quand même bien aidé à l'apprécier. Et son dernier bouquin que je vais m'empresser de lire, Foudre. M'intéresse vraiment. Bon, voilà. Ben voyez. Je suis un peu plus pour elle en passant. Putain, mais c'est dingue le nombre de bonnes actions que je fais. C'est fou ça. Vous rendez compte, j'ai l'impression d'être... Je vous appelais Père Laurent. Et puis si jamais le bouquin vous plaît, vous savez, vous pouvez passer un week-end avec elle, si vous voulez. Ma fille gagne, tiens, je vais y penser. Ah oui. C'est super. Hein. Bah quoi, il s'ennuiera pas. Ah non, ça c'est sûr. Ah, bah, il va être occupé. Ça. Ah ouais. Pour 5, c'est ça. Un week-end avec Christine Bravo, c'est un petit peu l'équivalent d'une saison de 24 heures chrono. Tu sais. Toutes les heures, il y a un truc qui se passe. Tu sais, avec le chronomètre. Tu sais quelle partie du corps elle attaque en premier. Et d'ailleurs, elle n'attaque que celle-là. Les oreilles. Ah oui, pourquoi? Parce qu'elle parle, elle parle, elle parle. Grégoire, faites quoi? Je vous ai pas demandé à l'autre ce que vous faisiez dans la vie. Je suis chef de cabine dans une grande compagnie aérienne. Chef de cabine. Chef de cabine. Et Stevie qui n'est pas là. Non, mais moi je suis là. Et je veux bien être surclassé la prochaine fois hétéro, que je vole. Vous êtes sans indiscrétion? Pas trop. Pardon? Pas vraiment personnel. Vous êtes hétéro? Sans indiscrétion, demander à quelqu'un s'il est hétéro, c'est indiscret, vous voyez. Complètement, bien sûr. Mais bon, à la fois. C'est pas comme si on était sur l'antenne d'Europe 1 non plus. Ouais, voilà. Franchement. Et vous-même, vous êtes déjà couché avec un garçon ou pas? Non, jamais. Et non, pas encore. Faut que je fasse gaffe parce que l'autre fois j'étais content, j'ai bu 2-3 gin tonic, j'étais un peu bourré, j'ai failli coucher avec Orlando. Mais bon, j'ai eu de la chance, il couche pas le premier soir. Claire, elle fait quoi, Claire? J'aurais dû appeler demain, en fait. Pourquoi? Olivier de Kersauzon est là. Ben, en fait, c'est une question, ça me surprend que vous la posiez à chaque fois, mais bon, vous avez le droit en même temps. Parce que moi, j'ai un boulot qui a pas trop d'intérêt, alors. Oh, pourquoi? Je préférerais parler d'autre chose que de mon job. Tous les boulots. Bah non, vous voudrez savoir. Moi, je suis sûr que ça va nous passionner, allez-y. C'est sûr. Hétérosexuel, c'est ça? Allez-y. Non, je suis commercial, tout simplement. Bah, c'est très bien. Et commercial dans quoi? Je fais ça pour bouffer, comme plein de gens. Ah, bah oui, bah alors. Donc, j'aime parler particulièrement. Ah, ouais, ça on a remarqué ça. Mais vous êtes commercial dans quel domaine? Je vends des sites internet. Bon, Claire, Grégoire, attention, vous allez peut-être partir pour Cannes, l'hôtel Martinez, le palace de la Croisette vous attend, l'un ou l'autre. Pour ça, il faut me dire ce qu'on pourra faire une dernière fois, mais une toute dernière fois. Samedi et dimanche de 9h à 16h. En France? En France. À Paris? À Paris. Ah, à Paris, non, pas à Paris, pas à Paris, pardon. Et c'est la dernière fois qu'on le faisait depuis très très longtemps. On faisait, peut-être vous ne l'avez jamais fait, mais si vous voulez le faire, vous pourrez le faire pour une dernière fois et plus jamais le faire, samedi ou dimanche. Plus jamais cette année ou plus jamais de la vie, c'est terminé. Plus jamais de la vie, plus jamais de la vie. C'est la dernière fois que je peux le faire. Ouais, je joue. C'est un loisir, non? Un loisir, on ne peut pas dire ça, mais vous pourrez le faire pour la dernière fois. Et si vous ne l'avez jamais fait, c'est le moment, entre 9h et 16h, samedi et dimanche. C'est un rapport avec la fête des mères ou pas? Du tout. Avec la braderie. Est-ce que c'est en plein air? Oui, il y a une partie en plein air. Est-ce que ça serait du roller? Du tout. Qui l'a fait à cette table? J'en sais rien, je connais pas vos vies. C'est grave. Est-ce que c'est Jeanne d'Arc? C'est un rapport à Jeanne d'Arc. C'est-à-dire le bateau de la Jeanne d'Arc qui prend sa retraite. Alors qu'est-ce qu'on pourra faire pour la dernière fois, Grégoire? Monter. Voir, certainement. Voilà. La visiter avant Bonne réponse de Grégoire. Ouais.
visite. On pourra visiter Jeanne d'Arc. Pour une dernière fois. Oui, il n'y avait pas eu de première fois. Voilà. Mais il y aura une dernière. Mais on pourra monter sur le porte-hélicoptère Jeanne d'Arc pour la dernière fois, ou pour la première fois peut-être, si vous n'y avez jamais été, à Brest ce week-end, samedi et dimanche. Dernière visite pour ce mythique porte-hélicoptère navire école, la Jeanne d'Arc. En tout cas, c'est gagné pour Grégoire qui part pour Cannes et pour l'hôtel Martinez, le palace Art déco construit à la fin des années 20 face à la mer, mais attention, c'est tout moderne à l'intérieur. Vous avez d'abord le spa au 7e étage, mais aussi la plage privée du Martinez. 8 concierges pour vous servir. La piscine extérieure chauffée à 30 degrés toute l'année. Sans oublier le restaurant où 2 couverts vous seront réservés par le grand chef Christian Sinicropi qui a régalé tout le jury de Cannes pendant le festival. Juste un truc, il faut faire gaffe un peu au minibar, parce que sinon il faut appeler Tabon pour faire un crédit. Quoi, 8 concierges. Vous y allez avec qui, Grégoire ? Eh ben, je pense que ma mère, pour la fête des mères, ça sera un beau cadeau. Sympa, ça. Oh, c'est trop mignon. Oh, bah, ça, c'est mignon, alors. Ah, et puis, comme ça, au moins, on a la réponse à la question de Titan. Ben, voilà. On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. Jusqu'à 18h30. Lundi soir, où a-t-on pu voir les chiffres 0, 0, 0, 0. Ah, oh, ça, c'est un 0, score. 0. C'est un la, score la tête de à foot. Toto, la tête à Toto. Non. Je répète, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ah, ça, c'est du tennis. Non, pas du tout. Ben non, que je suis con. Lundi soir. C'est... Non, quel bon match. Et qui a gagné, alors? Quel bon match, surtout. On a fait match nul pendant 3-7. Oh, c'était serré. 0-0, 0-0. 2e set 0-0, 3e set 0-0. S'il invite une blondasse, c'est bien pour avoir quelques réponses de blondasse en même temps. 0-0, 0-0, 0-0. Alors, est-ce que c'était affiché quelque part? 6-0 affiché. C'est un rapport avec un quand numéro et à quelle occasion? C'est un rapport avec un numéro de téléphone ou pas? Du tout. C'est un rapport avec un tirage de loterie? Non plus. Est-ce que c'est des... Serait, il aurait dû y avoir des chiffres. C'était par exemple une kermesse où on devait acheter des... C'est sportif? Non. Et alors, billets, autant dire que ça a été une surprise parce que ceux qui ne s'y attendaient pas pensaient voir 16-0-0-0-0. D'accord. Est-ce que c'est pas le... Mettons, c'est quelqu'un qui a acheté une horloge et il a branché et donc il était minuit, quoi, en fait. Attendez. Minuit pile. Ben vous n'êtes pas si loin dans le fond. Et est-ce qu'il y a des milliers de personnes qui ont vu ça? Des millions, monsieur. Des millions? Ouais. Mais attendez. C'est un rapport avec les fonctionnaires. Ah mais oui, non. Pourquoi? Parce que c'est il y a qu'eux qui regardent les pendules, il paraît. Oh, c'est un vieux sketch de peluche. Là, vous venez de fâcher Gérard Miller. Oh, attendez, c'est un sketch de peluche. Ça s'est passé en France? En France, on verra ces chiffres-là en septembre prochain. En plus, c'est quelque chose dont on a déjà parlé dans cette émission depuis 16 ans. C'est le départ de quelque chose. Non, et c'est Titoff même qui en a parlé. Ah bon? Oui, oui. Mais il dit que des conneries. Ah bah oui, mais... C'est donc une heure qui existe aussi bien pour les Français que pour les Américains, oui, oui, pour les Chinois. Oui, mais pourquoi nous, elle n'arrivera qu'en septembre? Ah bah ça, je vous expliquerai après. Enfin, attendez. Vous comprendrez pourquoi. Là, ce sont les Américains qui l'ont vu. Ah, c'est 24 heures chrono? Alors, ben voilà, c'est la saison 8, c'est la dernière saison de 24 heures chrono. Jack Bauer qui a commencé aux États-Unis. Et c'est-à-dire que elle a commencé à 0 heures. Ça s'est terminé, le dernier épisode. Le dernier épisode. Il n'y en aura plus jamais. Ah, et voilà. Donc ça s'est terminé à 0-0-0-0-0-0. Wow. Bonne réponse de Titor. On a déjà parlé de Jack Bauer, oui c'est vrai, en parlant de Christine Bravo tout à l'heure. Exactement. Il y a une heure et demie qu'on pose cette question, je comprends toujours rien. Tu n'as jamais vu 24 heures chrono? 24 heures chrono, non? Pourquoi faire? Et pourquoi 24 faire heures chrono. C'est un célèbre feuilleton, il faut vivre avec son époque un peu, Pierre Benichou. C'est merveilleux. Jack Bauer, même si vous ne l'avez pas vu, vous en avez forcément entendu parler quand même. Ah ouais. La série 24 heures. Et là, ça y est, le dernier épisode a été diffusé sur la chaîne américaine Fox lundi soir dernier. Le dernier épisode se déroulait entre 15h et 16h. Donc normalement, on aurait dû voir 16-0-0-0-0. Mais ils ont préféré afficher, puisqu'il n'y aura plus d'autres épisodes. Ils ont préféré afficher 0. Bien 0, sûr, 0, mais 0, 0, comme 0, on dit pour les rillettes, je ne sais pas quoi, nous n'avons pas les mêmes valeurs, moi je ne connaissais pas. Expliquez Gaspard, vous qui avez sûrement regardé et vu Gaspard. Jack Bauer, oui c'est sur vous que ça tombe. Expliquez à Pierre ce que c'est 24 heures la série. Je n'ai jamais vu cette série.
soirée. Ah bon? Non. Mais c'est vrai. Ouais. Deux extraterrestres alors, hein, vraiment. C'est pas vrai. Parce que t'es pas 24... très série américaine. Ah, j'ai horreur de ça. Enfin, ça n'a aucun intérêt. Ce que vous dites est absurde, si je puis me permettre, c'est que une des choses les plus originales qu'il y a actuellement à la télévision, ce sont les séries. Les séries américaines sont d'une intelligence, sont tellement. Enfin, il y en a des plus ou moins bonnes, mais je suis soufflé de ce que donnent les séries américaines. Eh bien, soyez soufflé, Gérard Miller. Non, mais notamment 24 heures chrono. Mais ils sont super audacieux. Qui est dans le genre à recaler le, pas mal de films d'action de cinéma où il n'y a plus aucun intérêt en avec. En même temps, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Hein. Depuis Maggie, je trouve qu'on n'a pas fait mieux. C'était pas mal, Maggie. C'était pas mal. Et comment elle briquait chez elle et tout, puis le mari il arrivait le soir. C'était un rêve pour moi d'avoir. Moi qui vivais dans 12 pièces d'avenue Foch, je me disais, ces gens qui ont les petites maisons, genre Vélizy, quoi, tu vois. Je trouvais ça formidable. Et le copain qui faisait le médecin. Henri Garcin. Qu'est-ce que c'était bien, alors. Nous venons d'apprendre que Pierre Bénichoux ne regardait pas 7 sur 7 animé par Anne Sinclair, mais Maggie. Ça, je dois dire que quand même. Vous y avez Robespierre et Allez, Angus et Julia Stone, ils sont australiens, ils sortent leur premier album Down the Way, et la chanson c'est Big Jet Plane. Se poursuit sur Europe 1 jusqu'à 18h30 avec Laurent Ruquier. Ses complices du jour sont Pierre Bénichoux, Caroline Diamant, Jérémy Chalac, Titoff, Gaspard Proust, Gérard Miller et l'ami Liado qui nous rejoignent sur Europe 1. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si, Liado. Et le jeudi, c'est culture et citation, n'est-ce pas, Serge? Évidemment, puisque nous avons des sommités culturelles. Gaspard Proust, Gérard Miller, Pierre Bénichoux, sans oublier, bien sûr, parce que tout est possible. Jérémy Michalak, Caroline Diamant et Titoff. Enfin, tout est possible, il ne faut pas abuser non plus. Tenter, évidemment, de retrouver les auteurs de quelques phrases célèbres, non seulement prononcées, mais aussi chantées. C'est le principe de votre quiz, puisque vous avez retrouvé ces textes-là dans différentes chansons, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Alors nous avons des vers célèbres, des expressions issues de vers célèbres, et puis ce qu'on appelle des mots de la fin, vous savez, phrases prononcées par une célébrité peu avant son trépas. Il y en a 5 en tout, c'est parti. 1. C'était dans la nuit brune, sur un clocher jauni, la lune, comme un point sur un nid. Sous le clocher jauni, la lune, comme un point sur un i. La lune, comme un point sur un i. 2. La chair est triste et flasque. La chair est triste, hélas, et j'ai lu tous les livres. La chair est triste, hélas, et j'ai eu toutes les ivresses. 3. Le geste du chômeur. Il s'agit du geste d'Auguste, le chômeur. Le geste auguste du chômeur. 4. Elle étire un peu ses membres, puis retourne vers sa chambre, dans le plus simple appareil. Dans le plus simple appareil. Dans le plus simple appareil. 5. La farce est jouée. Tire la belle, tire le rideau. Tire la belle, tire le rideau. La farce est jouée. La farce est jouée, on m'a demandé. Avant les rideaux, on m'a demandé. La farce est jouée, on m'a demandé. Oh là 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 là, c'est pas facile, non, facile aujourd'hui. Caroline n'a pas compris le jeu, elle note les chanteurs en fait. Il faut trouver. Mais que vous êtes con. Tu vous vois maintenant. La première phrase, vous me dites, je me trompe, Serge, c'est bien la lune comme un point sur un i. À qui c'est? Qui c'est autour? C'est Edmond Rostand. Bah non, c'est pas Rostand. Non, Pierre. Vérifiez. Cyrano de Bergerac. Non, Gaspard, vous savez peut-être? Oui, mais je le dirai pas. C'est Victor Hugo. Non. La lune comme un point sur un i, chanté par Maxime Le Forestier, Sylvie Vartan, entre autres. C'est une phrase que quelqu'un a prononcée. C'est Aragon. C'est dans un poème. C'est dans Ballade à la lune. Qui a écrit Ballade à la lune? Verlaine. Pierrot? Non. Ah, là, 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 là. Pierrot. Ah, raison, on est vraiment une paire de cons. Ah, je pensais qu'avec
Balade à la Lune. Baudelaire. Je pensais qu'avec Proust, Benichou et Miller, au moins, on aurait l'auteur de Balade à la Lune. Balade à la Lune. Bah, c'est Verlaine. C'est Verlaine. Non, non, je viens de le dire et c'est pas ça. Attendez. Balade à la Lune. C'est un poète. D'habitude, vous vous donnez toujours son nom. René Char. C'est Maradona. C'est toujours vous qui trouvez d'habitude ce nom-là. Molière. Non, non, pas Molière, l'autre. La Fontaine. Vous l'avez joué sûrement quand vous étiez au théâtre. Beaumarchais. Musset. Voilà, ouais. Musset. J'ai dit Musset. Bonne réponse de Titoff. J'ai marqué là, Musset. Voilà. Mais c'est pas pour celle-là, moi, c'est pour une... J'ai confondu avec la truc de Rostand. Un baiser, c'est un point sur le i du verbe aimer. C'est pas ça qu'on vous demandait. C'est Pierre. On a tous confondu avec Rostand. Alors attention, La chair est triste, hélas, j'ai lu tous les livres. Ça a été chanté entre autres par Georges Moustaki. Mais de qui est cette célèbre phrase ? La chair est triste, hélas, j'ai lu tous les livres. Plus qu'une phrase, un vers. Ah oui, Gérard. Mallarmé. Bien Mallarmé, sûr. Parfait, génial, bravo. Vous êtes fort, hein. Quelle culture. Non, vraiment. Pierre, là, vraiment, vous êtes endormi. Hein. Non, je n'ai pas trouvé. Pas de Mallarmé, pas de Musset. Le geste auguste du chômeur. Du sommeur. Oh, je me suis trompé. Oui, du sommeur, oui, du sommeur. Oui, du sommeur, mais c'était du chômeur chanté par Michel Sardou. Et c'est qui ça, Pompon et Fabrice? Oui, vous savez, ce gars qui faisait des calembours dans la classe. Ah, Fabrice de la classe. Ah, Fabrice, l'animateur, et Pompon. Je me disais, qu'est-ce que c'est que ça, Fabrice et Pompon? Qu'est-ce qu'il fout, Fabrice et Boué dans ce un grand groupe d'or. Avec son copain Pompon. Pompon, ah oui, je me souviens de Pompon. Alors, le geste auguste du chômeur. C'est peut-être. Au départ, donc, geste auguste du semeur. Victor Hugo. Victor Hugo. Oh là là, Gérard. Pierre Benichou est humilié, je tiens à le dire. Alors, non, Hugo, je l'avais. Ça, peut-être on va se rattraper avec dans le plus simple appareil. Tout le monde le sait, ça. Ça, c'est Racine. Racine. Ça. Alors, Racine dans. Racine dans Phèdre, je crois. Non. D'une beauté arrachée au sommeil, surtout. Alors, d'une beauté qu'on vient d'arracher au sommeil. D'une beauté qu'on vient d'arracher au sommeil. C'est dans Racine. Racine, c'est Racine. Andromaque ? Non. Iphigénie ? Non. Dans. Titanicus ? Quoi ? Titanicus. Elle a mal entendu. Britannicus. Pas Titanicus. Oh là là. C'était une plaisanterie. Ça fait un film porno un peu. Titanicus. Oh, Caroline. Oh merde. Et puis on termine avec Tirer le rideau, la farce est jouée. C'est Georges Brassens, entre autres, et Dulos Bocarn qu'on a pu entendre chanter cette phrase. Mais de qui est cette phrase au départ ? Tirer le rideau, la farce est jouée. Bon, c'est pas Bataille et Fontaine, non. Donc c'est une phrase prononcée par quelqu'un qui meurt. Oui. C'est une phrase vraiment... On accable Pierre Benichou, mais on peut aussi accabler Gaspard Proust, qui nous fait croire qu'il a une grosse culture, là, qui de temps en temps nous prend de haut. De temps en temps, moi, jamais. Tout le temps. Et là, Gaspard, là, vraiment, n'est pas trouvé Racine. C'est pas de nouveau Hugo. N'est pas trouvé Victor Hugo, n'est pas trouvé Mallarmé. C'est même Titoff qui vous a grillé sur Alfred de Musset. Ouais, alors que toi, tu m'as jamais grillé sur Maradona, par exemple. Et là, tirer le rideau, la farce est jouée. Si je vous donne les dates, peut-être. Ouais. Rabelais. L'auteur. Non. Pardon. Rabelais. Rabelais, bonne réponse de Gérard. C'est tout, mais ça, c'est. Qu'est-ce que tu veux ? C'est comme ça, la culture. Oui, on dirait un petit peu comment ils s'appellent, les deux, là, qui nous en a parlé toute la semaine, Pierre Benichou. Mire et Mirosca. Il y a un truc, là. Liado et Miller. Oui, c'est ça, j'ai envoyé des codes, oui. Serge ? Oui. Où est-ce que vous avez nous rechercher, Fabrice et Pompon ? Parce que j'avais vu cette émission, ça m'avait bien fait rigoler, le geste d'Auguste le chômeur, et je m'étais mis de côté, quoi. Il y a 23 ans que j'attendais cette occasion de vous la refaire. Il se fait des petits plaisirs, Serge, comme ça. Moi, j'étais assistant de Fabrice et Pompon, je n'ai jamais percé. Parce qu'il y a un autre garçon qui m'a écrit, qui faisait la classe, pas un garçon, un monsieur, et qui nous écoute régulièrement. Je sais pas si vous allez vous en souvenir, mais moi je me suis très bien souvenu de lui quand il m'a envoyé sa lettre. Et je le salue d'ailleurs au passage, puisqu'il nous envoyait un petit courrier bien sympathique pour dire qu'il nous écoutait et qu'on se faisait bien rire. Vous vous souvenez, c'est Blaise. Ah oui, oui. Et il racontait des histoires drôles. Jean-Louis Blaise. Ah, Pascal. Non. Jean-Louis Blaise. Jean-Louis Blaise, exactement. Et il racontait, mais à toute vitesse, il était capable de vous raconter, je sais pas, 10 histoires en
en une minute, hein, c'est ça à peu près. Oui, c'est ça, des histoires très très courtes. Hein. Par exemple, on tape à la porte, madame, vous avez rien à donner pour les maisons de retraite, bien sûr. Mémé, prends ton manteau. Voilà pourquoi il fallait enchaîner très vite avec une autre. D'accord, mais il envoie un courrier. Bah non, madame Veuve Marius, il est pourquoi veuve? Il dit, qu'est-ce que vous pariez? Non, tu connais, celle qui me fait le plus rire dans le genre, c'est toujours Marius et Olive. Et on lui dit, à Olive, on lui dit, Marius, il va mourir. On dit, non, c'est pas possible. Il dit, si, il va mourir, mais tu sais comment il est. Il le sait, il est courageux, alors tu vas le voir à l'hôpital. Il dit, mais comment, mais j'ose pas. Il dit, mais tu vas pas aller en pleurant. Tu vas pas non plus aller en disant ta bonne mine et tout ça, mais montre que t'es toujours le même. Il dit, ça y est, j'ai trouvé. Il arrive, il frappe à la porte, il pousse la porte, il dit, alors, on agonise. Ah si, elle est pas mal. À demain, Serge. À demain, salut à tous. 16h-18h30 sur Europe 1, avec Laurent Ruquier. On va se gêner. Profitez dès maintenant d'un financement exceptionnel Mini. La nouvelle gamme Mini One est à 1%. Ah non, la 1% est à 1%. Ah, la 1% est à 1%. Bon, la One, c'est la One. Oui, facile à retenir, moins à énoncer. En juin, la nouvelle gamme Mini One bénéficie d'un financement exceptionnel à 1%. Bah, c'est ce que j'ai dit. Exemple, pour 7 090 € empruntés, 36 mensualités de 200 € hors assurance, coût total 110 €, TEG fixe annuel 1%, crédit auto de 12 à 36 mois, valable du 25 mai au 30 juin pour toute commande d'une Mini One 9 dans les mini-stores participants sous réserve d'acceptation par BMW Finance. Cette semaine dans France Dimanche, Mike Brandt, les révélations bouleversantes de sa nièce dans une interview exclusive. Johnny Hallyday, son retour catastrophique en France. Le pire reste à venir. Cette semaine, France Dimanche est au prix exceptionnel de 1 €. Et pour 3,95 € seulement, en plus de France Dimanche, offrez-vous votre sac de l'été. Poème pour une machine à café. Que m'a fait ton café pour me faire tant d'effets? Serré ou allongé, que veux-tu que j'y fasse? Tu me fais boire la tasse. Vous voulez vivre une relation idéale avec la technologie? Découvrez la Happy Technology par Boulanger. Pour la fête des mères, Boulanger vous fait une offre exceptionnelle. La Nespresso M100 Argent avec arrêt automatique à 49,99 €. Éco-participation incluse, dont 50 € de remboursement différé. Boulanger, vivons la Happy Technologie. Guillaume Musso, quand vous écrivez, est-ce que vous pensez à vos nombreux lecteurs? Je raconte l'histoire que j'ai envie de raconter à l'intention des lecteurs, mais en essayant à chaque fois de les surprendre. C'est vraiment pour moi le cœur de ça, c'est l'envie. Et j'espère pendant longtemps encore écrire des histoires. Si vous n'avez jamais lu un roman de Guillaume Musso, ne manquez pas La Fille de Papier. Une histoire romantique et fantastique. Peut-être son plus beau livre. XO, lire pour le plaisir. Et maintenant, avec Peugeot, un peu de multiplication dans la publicité. Si pendant les affaires de professionnels Pacs et Déclim, Peugeot multiplie par 2 la garantie 2 ans, multiplie par 3 la prime à la case gouvernementale et que cette prime baisse dès le 30 juin, combien de temps devez-vous attendre avant de vous rendre chez votre concessionnaire Peugeot? Extension de garantie 4 ans 60 000 km offerte pour 1 € de plus, cumulable avec la prime à la case Peugeot de 1 400 €. Offre professionnelle hors loueur et flotte non cumulable avec d'autres offres. Valable jusqu'au 30 juin pour tout achat d'un fourgon Pacs et Déclim neuf dans le réseau Peugeot participant. Conditions sur Peugeot.fr. Connaissance, humour, érudition, actualité littéraire et du 7e art, c'est ça on va gêner, c'est jusqu'à 18h30 sur Europe 1 avec le maître de cérémonie des après-midi, j'ai nommé Laurent Ruquier. Europe 1, on va se gêner. Le DVD de la semaine. C'est la route et nous avons demandé à Titoff, Gaspard Proust et Gérard Miller de regarder ce film pour nous, La Route, avec Viggo Mortensen et Charlize Theron. On est 10 ans après la fin du monde. Le monde a explosé. Un père et son fils sont là à pousser un caddie avec quelques objets qu'ils ont pu sauver. C'est le point de départ du film. Adapté d'un roman de Cormac McCarthy qui fut un triomphe à travers le monde. Un roman adapté en film, mais est-ce que le film est réussi? Est-ce qu'il faut louer, acheter ce DVD? Je commence peut-être par vous, Gérard. Alors, le livre, effectivement, a eu le prix Pulitzer, il a frappé tout le monde, son style était particulier, mais en tout cas, ça a quand même été très apprécié. Et on voit bien qu'on ne peut pas transformer l'essai. Moi, j'ai vu ce film comme un film gore, c'est-à-dire que j'avais aucun plaisir à le regarder. Je trouvais ce film effrayant. Alors, effectivement, on voit bien l'ambiance du film, c'est-à-dire ces deux êtres, après la mort, le suicide de la mère qui se promène vers le sud des États-Unis. Mais
Moi, me taper des scènes de cannibalisme, des scènes où on voit un bébé la tête coupée, rôtissant sur une broche, je ne vois pas pourquoi je me taperais ça, même si la fin, effectivement, est un peu plus... T'es pas obligé de le manger. Même si la fin est un peu plus éclaircie, donc... On voit bien l'idée. On a toutes les scènes du livre. Hein. On a le. Vous avez lu le livre. Oui, on l'avait lu même commenté ici, si oui, je ne me trompe. Et on voit effectivement cet enfant qui donc lui est né après la catastrophe d'une mère qui ne voulait pas accoucher. On voit bien cet enfant se poser la question : sommes-nous tous devenus méchants ? Donc c'est un vrai débat sur le bien et le mal. Il y a des jolis dialogues entre le père et le fils, mais physiquement. J'ai regardé ça hier soir. C'est éprouvant. Ah ben oui, j'avais mon petit bébé qui dormait pas très loin. Je me disais, mais pourquoi je me tape ça? Je n'ai pas réussi à le regarder avec le moindre plaisir. Alors vous, cette barbarie vous a-t-elle choqué, Titoff? Alors au départ, j'ai eu peur de la même chose que ce que vient de dire Gérard, c'est-à-dire de me dire, oh là là, la réalisation, le côté un petit peu, l'image retravaillée, où c'était très sombre. Et puis moi, je suis rentré dans le film et franchement, au niveau émotionnel, ça fait longtemps que j'ai pas vu un film aussi fort. Vraiment, vraiment. Ah bon, alors. Ça raconte la survie. Moi, j'ai pas lu le livre, et ça raconte donc peut-être j'avais pas d'a priori contrairement à Gérard, comme d'ailleurs dans la vie en général aussi. Et donc du coup, je suis rentré dans le film. Ça parle de la survie. Ça parle aussi un petit peu de l'origine de l'espèce humaine aussi, c'est-à-dire de la route, de marcher, de pourquoi survivre et pourquoi quand il y a rien, il y a aucun espoir, quand il y a plus rien à manger, que les gens justement rentrent dans une forme de cannibalisme. Pourquoi certaines personnes survivent et d'autres se laissent mourir, et ça rappelle, voilà, comme je disais, un petit peu l'origine de l'espèce humaine, qui est que groupes d'individus se sont allés vers le nord ou allés vers le sud pour chercher de la nourriture et pour avancer. Et faut quand même dire, pardon de vous interrompre, que le film avait été présenté en sélection officielle à Venise, à la Mostra de Venise. Ouais. Hein, c'est pas un film gore tout banal. Non. Puis il y a justement le côté avec le gore. Il y a le côté aussi de l'enfant qui est né après justement. La catastrophe, on ne sait rien. Hein, justement, on sait pas ce qui est génial aussi dans le film, parce que il y a pas besoin d'expliquer. On n'est pas du tout dans le gros film américain à sensation où le héros sauve la planète, tout ça. On est dans quelque chose comme ça qui est assez lent, avec des scènes d'action, mais à couper le souffle, et puis aussi des acteurs, tous les acteurs, moi je suis, oui, enfin, tous les acteurs, il y a le petit aussi, il y a le petit, il joue, mais il Cody Smith bien. McPhee, c'est son nom, jeune acteur. Et justement, il y a Robert Duvall, il y a Guy Pearce, Charlize Theron, Viggo Mortensen, il y a une grande distribution. Très, très, très gros film. Conseillé par Titoff, pas recommandé par Gérard. Je n'étais pas dans le bon esprit. Et Gaspard, dans tout ça. Et moi aussi, je suis un jeune papa comme Gérard. Hein, on est tous les deux des jeunes papas. Oui. C'est vachement choquant quand tu dis. Du coup, justement, moi qui suis plutôt, enfin, malgré les apparences, parfois un peu angoissé par un autre. Et justement, moi, ça m'a filé la pêche parce que, voilà, on est devant la réalité et de la vie et de la survie. Gaspard. Oui, alors, moi, je connaissais pas le livre, donc j'ai découvert le film. Moi, j'ai surtout été marqué par les très beaux paysages. Non, c'est vrai, il y a des très beaux paysages, une ambiance de fin du monde, comme ça, tout est très gris, très noir. Enfin, moi, je trouvais vraiment que ça rejoignait ma philosophie de vie. Du coup, pour la fin, j'étais un peu déçu, parce qu'après, la fin se termine plutôt bien. Ça, je trouvais que c'était pas cohérent avec le reste. Mais ça, sur le fond, bon, j'ai pas trouvé que ce film était très gore, parce que on voit jamais personne se faire... On imagine, bon, qu'il y a des gens qui en mangent d'autres, etc. Mais après, ça m'a un peu choqué, parce que bon, il y a cet homme et ce fils qui se promènent. Alors, dans ces paysages magnifiques, eux, ils pensent qu'à bouffer. Et ça, j'ai trouvé un peu tiré par les cheveux, globalement. Enfin, il y a des questions un peu politiquement incorrectes. Est-ce qu'on peut manger de tout, forcément? Et puis, le cannibalisme, bon, moi, j'y crois pas. En fait, ce qui m'a gêné, voilà, c'est que j'ai pas trouvé le film réaliste, vous voyez, parce que il pleut tout le temps. Alors que rien ne pousse, tous les animaux sont morts, mais l'être humain qui est un animal continue à vivre, donc il se tue entre lui. Bah en tout cas, vous m'avez donné envie de le regarder. Moi ouais. Aussi, ça m'a donné envie d'aller voir. Alors voilà, on va pouvoir acheter. Il y a quelque chose avec laquelle je suis pas d'accord, c'est que quand Gaspard Proust dit que le cannibalisme, ça n'existe pas. Ça, c'est une bonne blague radio. Ah, c'est une bonne blague radiophonique. Alors voilà, il faut quand même expliquer que Pierre fait des blagues uniquement pour la gonzesse qui veut draguer depuis le début de l'émission. C'est pas la gonzesse. Il a caché sa charmante jeune femme qui vit en Floride. C'est pas un peu humide comme climat là-bas, hein ? Ça me rappelle les premières booms telles que chantait Renaud.
Demain, ils sont à peu près 6 millions de Français, 6 millions et demi selon certaines statistiques, 6 millions et demi Français qui vont fêter ces 10 ans. Mais les 10 ans de quoi? De qui? Un événement. Il y a 10 ans, il faut savoir qu'il y avait seulement 10 000 Français qui fêtaient ça. Ah oui. Et là, 6 millions et demi. Yeah, oui. La fête des voisins. La fête des voisins. Ouais, il est bon ce Titoff. Bim bam boum, bonne réponse. C'est quand la date? C'est demain. C'est demain, la fête des voisins. Ah, moi j'y vais. Ah, c'est chaque vrai, année, Gérard. J'y vais. Alors j'y que tes voisins ne veulent pas que tu y ailles, mais tu y vas quand même. Alors, détrompe-toi. Dans votre cour d'immeuble, il se passe un truc. Et moi, j'ai la chance, je suis entre deux, je peux avoir deux fêtes de voisins parce que j'habite entre deux cours. Non, mais tu as une cour d'immeuble pour toi tout seul. Oui, c'est ça. Et en tout cas, j'ai des voisins. C'est quand tu fais la fête des voisins, il a l'impression d'être une dame d'œuvre parce qu'il est, il a une sorte de maison de maître assez cossue entre deux taudis. Parce qu'il a choisi par économie d'habiter un quartier où on vend encore les cigarettes à la pièce. Non, je vais à la fête des voisins tous les ans. Et alors, ils sont sympas, vos voisins? Moi, je trouve ça extrêmement sympathique. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir une cour. Donc mais le reste la de cour. L'année, vous leur parlez ou c'est mais uniquement... Je leur parle tout le temps. C'est une vraie vie de village. Non, mais c'est l'occasion de voir des gens qu'on ne voit pas. Vous avez resserré des liens depuis 10 ans avec vos voisins, vous, oui, Pierre? Oui, beaucoup. Oui. Enfin, pas resserré des liens, mais... On a créé des liens avec des gens. Grâce à cette fête. On n'a pas beaucoup de voisins, mais on a la gardienne qui est partie, qui est rentrée chez elle au Portugal. Et il y avait, non mais c'est vrai, et puis il y avait trois ou quatre. On est cinq dans l'immeuble. Ouais. Plus un petit hôtel particulier au fond. Le Miller de ma cour s'appelle Goldschmidt. Et tout le monde participait à cette fête. On l'a fait deux, trois ans de suite. Puis un jour, j'en ai eu marre. Non, je sais pas, une fois, il y en a un qui était pas là. Une autre fois, il y en avait un autre qui était pas là. Puis maintenant, on se regarde, on se parle plus pendant les quatre jours qui précèdent. Pour pas qu'il y en ait un qui dise, alors c'est quand qu'on fait la fête? Le problème, c'est quand t'es invité. Ah, il faut éviter de croiser les voisins la veille de la fête des voisins. Je n'ai que de bons souvenirs. Ouais. Parce qu'il y a un côté pique-nique avec des gens qu'on ne fait que croiser dans l'ascenseur ou dans l'escalier. Ils ne sont pas très nombreux dans mon immeuble. Nous sommes très peu. Il n'y a que des polytechniciens, des aristocrates. Mais on est là et on se dit, alors qu'est-ce que vous apportez, le roast beef? C'est un vendredi soir, c'est bizarre quand même, parce qu'il y a beaucoup de gens partis, Paris en tout cas, le week-end. Mais c'est pour les gens qui ne vont pas en week-end. On s'envoie un mot à tous. Chacun envoie aux six autres un mot avec, excusez-nous, nous allons peut-être faire un peu de bruit cette nuit. Il y a forcément une petite affichette dans le hall de votre immeuble. Vu, moi, non. Caroline, vous non, je n'ai jamais été convié à une fête de voisins. Vous savez, ça n'a pas la fête des voisines, Titoff. Dans le Marais, on va s'éclater, oui. On l'a fait un peu tout le temps, nous, la fête, dans mon quartier. Et vous, Gaspard? Non, mais j'habite dans un endroit où je crois que les voisins ne sont pas au courant que je suis là. Donc, je veux pas connaître les voisins, parce qu'après, moi, je les idéalise quand je les vois de loin. Après, je me dis, si je commence à parler avec eux, etc., je vais découvrir leur vraie nature. Et je vais être déçu, et donc on va pas être des amis. Donc je préfère les garder à distance. Donc quand je les vois, je les fuis, je change de trottoir et je dis, ça c'est l'autre enculé qui dit jamais bonjour. et comme ça, on a des vrais liens. Vous, Joujou? Non, j'ai jamais fait la fête des voisins. C'est l'occasion de savoir si t'as des petites nanas mignonnes dans ton immeuble quand même. Chaque fois qu'il a une occasion de rappeler qu'il est hétéro, il le fait. Hein, je peux me compter sur vous. Donc, c'est la fête mignonne, des petites nanas mignonnes, des gendarmes avec des moustaches. Ça, c'est vraiment une phrase de mots, ça. Des petites nanas mignonnes. Tu parles plus personne, tu dis nanas mignonnes. Non, mais le problème avec les voisins, c'est que quand on fait la fête, on commence toujours à parler de choses très, très terre à terre. C'est genre les poubelles, qui les descend, pourquoi, il y a une odeur. Donc on tombe toujours sur des considérations comme ça. Évidemment, c'est plus facile d'élever le débat quand on commence au niveau du fumier. Mais après, je trouve ça vraiment très dangereux. Oui, c'est vrai. Pour les locataires, ça va. Mais pour les propriétaires, déjà qu'on évite l'assemblée de copropriétaires, si c'est pour se retrouver à la fête des voisins, c'est pas la peine. Moi, j'ai des voisins sans fête qui sont devenus d'excellents amis. Ah oui? Oui. Dans votre immeuble? Dans mon immeuble, et alors, absolument. Ça, faut se méfier. Hein. C'est votre mari, c'est vous, c'est quoi? C'est les deux. Ah oui. Donc c'est un truc échangiste. Pas du tout. Non, alors c'est vrai que les enfants, en plus, allaient dans la même école. Voilà. Ce qui a permis des liens, c'était génial. Ah oui, ça évite d'avoir à amener les enfants et aller les chercher. Surtout moi, oui. Est-ce que c'est bien d'être ami avec ses voisins? Oui, mais c'est indispensable. Mieux, hein. Moi, je fais toutes les réunions de copropriété, par exemple, je propose de les faire chez moi. Vous êtes propriétaire, qu'est-ce qu'il doit faire chez lui? Mais pas du tout. Il doit dire, je constate que
que le géranium a mais dépassé les 15 cm. C'est là où tu te trompes, mais pas du tout. Mon perroquet Mao m'a dit que. Oui. Mais pas du tout. Oh, mon c'est pas ça. Il est écrit dans le règlement qu'après 22h15, il ne doit y avoir aucune musique. C'est drôle. Mais non, mais c'est pas sympathique, que... monsieur Miller, mais des fois vos animaux. Mais c'est pas ça, c'est que. La moquette a été changée déjà il y a 3 ans. Je ne vois pas pourquoi on la changerait aujourd'hui. C'est comme ça que tu m'imagines. Bon, alors, pas bien sûr. Oui, on t'imagine pointilleux. Pas du tout. Alors, je suis le meilleur des voisins. Demande à mes voisins. Mais bien sûr, moi, je suis très facile. Mais ce qui se passe, c'est que chaque année, c'est des nouveaux voisins, non ? Ils tiennent pas le coup. Non. Et pas du tout, au contraire, je trouve extrêmement amusant. Alors bon, pour les nouveaux arrivés. Je trouve amusant de régler, par exemple, je prends un exemple, dans mon immeuble, il y a un monsieur qui pratique le Shabbat, donc qui ne peut pas, effectivement, supporter que lorsqu'il rentre dans l'immeuble le vendredi soir, la lumière s'allume. Donc par exemple, le vendredi soir, on a mis un bouton spécial, avant le Shabbat, il éteint la lumière, et lorsqu'il rentre, il n'est plus obligé de subir la lumière. Moi, je trouvais formidable de respecter Gaspard, comme ça les gens dans une copropriété. Gaspard. J'entends le Shabbat, c'est quoi ? C'est un toc, en fait. On va se gêner sur Europe 1, avec Laurent Ruquier. Jusqu'à 18h30, Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Qui est dans la loge d'honneur aujourd'hui ? À vous de poser toutes les questions que vous voulez. Notre invité ne répondra que par oui ou par non. Bonjour, invité. Bonjour. Bonjour. Bonjour, vous avez le droit aussi. De temps en temps, quelques réponses très courtes, mais toujours très courtes parce que, méfiez-vous, ils sont très malins. C'est parti. Commençons par le commencement. Êtes-vous un homme ? Non. Non, non. Bon, maintenant, vous le savez. Moi, je vais vous poser une question un peu plus intéressante. Est-ce que parmi les effets que vous provoquez sur le public, il y a à l'occasion de l'admiration ? Est-ce que vous sentez parfois que vous êtes admiré ? C'est intéressant, ça. La façon dont l'invité va répondre à la question nous induira, vous verrez. Est-ce que déjà, alors, excusez-moi, mais je vais même pas vous laisser. Est-ce que déjà, vous avez du public ? D'accord. Oui. Donc, la question, est-ce que parfois les gens vous admirent ? Je prends un exemple, Titeuf, il fait rire son public, les gens ne l'admirent pas. Bénichou, par exemple, les gens l'admirent. Est-ce que mais vous... il n'a pas de public. Est-ce que vous, on vous admire parfois ? On a compris la question maintenant. Est-ce que ce ne serait pas une question que tu te poses plutôt pour toi ? Lui sait que les gens le méprisent. Non, lui s'admire tout seul. Vous avez du public, mais est-ce que vous avez du public, par exemple, sur scène devant vous ? Est-ce que vous faites du théâtre ? Vous ne faites pas de théâtre, mais il se trouve, et pour une fois c'est moi qui vais déroger à la fameuse règle, il se trouve que vous venez nous voir parce que vous allez monter sur scène. Est-ce que votre public est privé ? Ah oui, c'est bien ça. Est-ce que votre public, vous le rencontrez parfois physiquement ? Je vous donne un premier indice. Adieu Saint-Jean-de-Luz, mon pays, ma montagne, adieu Saint-Jean-de-Luz, et mes belles campagnes, je revois toujours le tendre séjour où s'est écoulée mon enfance. J'ai fait durer le plaisir pour Pierre Bénichou qui est toujours heureux d'entendre Luis Mariano. Vous avez évidemment, vous, compris cet indice, invité ? Oui, bravo. Est-ce que vous avez été ministre ? Est-ce que votre... Je pensais à Michel Alliot-Marie qui est maire de Saint-Jean-de-Luz. Ah ben oui, bien sûr. J'allais tout de suite. Je pars au plus pressé. Non, tu es très bon. Est-ce que votre public... Est-ce toi, que... tu es bon comédien. Est-ce que votre public, vous lui... vendez quelque chose. C'est intéressant. Vous vendez jamais rien, même pas un ami ou un truc comme ça. Est-ce que vous voulez que quelqu'un d'autre que Gérard Miller vous pose une question ? Oui. Voilà, vas-y. Est-ce que vous êtes une femme politique ? Vous faites quoi dans la vie ? Ça, vous n'avez pas le droit de répondre, Gaspard. Non, mais là, vous allez monter sur les planches, mais est-ce que votre activité principale est artistique, elle aussi ? D'accord. Donc ça va être vraiment la première fois que vous allez monter sur les planches. Alors. Est-ce que votre activité principale est sportive ? Non. Est-ce qu'elle est journalistique ? Oui. Ah, on progresse. Mais journaliste... À la télévision ? Voilà, merci Joujou. Je t'en prie. Ah oui, est-ce que vous vous occupez de météo ? À qui vous pensiez, Pierre Bénichou ? En personne, c'est juste pour faire avancer Schmilblick. Je vous propose de réfléchir et dans un instant, vous pourrez poser d'autres questions. Tiens, c'est pour toi, bébé, c'est cadeau. Oh, mais il n'y a rien ? Bah oui, rien du tout. Et c'est rien que pour toi. Oh, mais c'est trop ! Merci. Bon, de rien, bébé.
Chez Volvo, rien n'a jamais eu autant de valeur. Jusqu'au 31 juillet 2010, venez sans rien et offrez-vous un break Volvo V50 à partir de 319 euros par mois, sans apport. Exemple pour une Volvo V50 D2 Kinétique en LOA pendant 50 mois et 60 000 km. Prix de vente 22 406 euros, option d'achat 8 667 euros. Coût total en cas d'acquisition 24 617 euros TTC, frais de dossier inclus. Offre valable sous réserve d'acceptation par CGL, conditions disponibles sur volvofinance.fr. Allez, retourne du côté de la loge d'honneur d'Europe 1 dont va se gêner, où le mystère demeure. L'invité n'a pas encore été trouvé. Laurent Ruquier revient avec quelques éléments pour vous aider, vous les auditeurs, mais aussi ses amis chroniqueurs. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. On a bien avancé quand même, ça, que c'est une femme, plutôt journaliste, enfin plutôt journaliste, journaliste même, qu'on voit à la télévision, qui va bientôt monter sur scène pour la première fois. Vous savez quoi d'autre? Ah bah, vous savez pas grand chose d'autre d'ailleurs. Peut-être qu'il faudrait poser plus de questions pour préciser un peu qui est notre invité. Journaliste, journaliste ou aussi un peu animatrice? Il n'y a pas de honte. Journaliste, animatrice. Est-ce que vous êtes plutôt sur le service public? Privé. Chaîne sur TF1. Chaîne privée. Maintenant, on ne va pas détailler les chaînes, ce serait trop facile. D'accord. On passe à d'autres questions. Avez-vous un compagnon célèbre ? Non. Avez-vous un chien ? C'est gentil pour moi. À qui vous pensiez, Jérémy Michalak ? Je pensais à Claire Chazal. Est-ce que vous êtes Claire Chazal ? Non. Journaliste. Claire Chazal est déjà montée sur scène. Je ne sache pas qu'elle ait jamais fait de la météo. Ben, mais elle n'a pas fait de météo, notre invité d'honneur. Ah, elle non a plus. Répondu. Si, elle est restée bloquée sur un fantasme, en fait. Pierre avait tellement envie que ce soit Evelyne Delia. J'adore Evelyne Delia. C'est mon doux secret. Mais elle le sait, d'ailleurs. N'est pas Evelyne Delia qui est là aujourd'hui. Je ferai ça pour la fête des pères, Pierre. Attention, un deuxième indice sonore. Dora, 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 l'exploratrice. Dora, Dora, elle est trop sympa. Dora, l'exploratrice. Montre-nous le chemin. Alors là, évidemment, c'est carrément un indice très très fort. Puisque c'est la voix de notre invité. Bravo, Caroline Diamant. Je n'ai pas reconnu la voix, mais... C'est bien votre voix. D'accord. Et donc vous chantez, c'est pas votre métier. Enfin, non, je veux pas dire que vous chantez pas bien, c'est pas ça que je veux dire. Mais... On a eu du bol. Et donc vous êtes journaliste et vous chantez Dora l'exploratrice. C'était vraiment très ponctuel. Est-ce que vous êtes journaliste, y compris politique? Oui. Oui. Bravo Gérard, bonne question. Mais oui. Et réponse qui fait avancer. Donc. Sans parler de votre carrière, mais est-ce que vous avez quand même, ces derniers temps, pas mal bougé? Oui. Un autre indice. Ah oui, c'est très court, hein, mais c'est un générique, évidemment. Oui, alors, est-ce que vous êtes blonde? Oui. Oui. Oh, on tient une blonde dans la loge d'honneur. Ouais, ouais. Moi, alors, j'ai une brochette de blonde en tête. Je suis pas arrêté complètement alors, sur une. Posez quelques questions. Alors, c'est un générique de JT qu'on vient d'entendre. Oui. Bravo. Est-ce que vous travaillez debout? Non. Est-ce que à qui vous pensez? Est-ce que vous travaillez allongé? France Gall. Est-ce que votre prénom peut faire écho à celui de Ruquier? Peut faire écho à celui. Je comprends pas là votre question, Gérard. Est-ce qu'elle s'appellerait Laurence, quoi, c'est exactement. Oui, c'est vraiment nul votre question. Ouais, est-ce que vous avez un nom de voiture célèbre italienne? Alors répondez. Non, voilà. Est-ce que vous avez un prénom composé? Ah, je crois que Caroline est sur une bonne piste. Voilà peut-être un indice qui confirmera sa pensée. Ça s'agite autour de la table. Ah, là. Ça, c'est le générique de 7 à 8. Il y en a qu'un qui est complètement largué parce qu'il pense toujours à Evelyne Delia. C'est Pierre Bénichou. Je vois qui c'est, alors je vais commencer à poser des questions. À quel point je suis abruti que quand on a dit un prénom composé, j'ai dit ça doit être Marie-Claude Narcy. Voilà dans quels abîmes me met ce jeu. Est-ce que lorsque vous avez bougé, certains ont douté de la capacité que vous auriez à occuper le nouveau poste? Peut-être.
Oh, mais ça, c'est le cas pour toutes les femmes non, qui bougent. Ouais. Il y a ça, toujours des hommes cons pour Gérard, dire. Gérard, croyez-moi, quand vous êtes monté sur scène. Ouais. Ah, ben bon, évidemment. Ah, moi, c'était plus vous... légitime qu'on s'en doute. Est-ce que vous aimez la comtesse de Ségur? Pas trop, non. D'accord. Et ça n'a aucun rapport avec l'un de vos prénoms composés? Ah. Quand même. Alors attention, je crois que là, puisque oui. Jérémy, Caroline et Titoff, vous aussi Gérard. Est-ce que la première partie de votre prénom, on pourrait vous poser la question, est-ce que vous voyez venir quelque chose? Exactement. Alors attention. 1, 2, 3, 4. Anne-Sophie Lapinus. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit Pierre? Anne-Sophie Delia, il a dit. Non, mais Anne-Sophie Lapinus qui va nous rejoindre. 16h-18h30 sur Europe 1, avec Laurent Ruquier. On va se gêner. Michel Drucker et Wendy Bouchard vous présentent l'actualité culturelle. Studio Europe 1, dès 19h. Profitez dès maintenant d'un financement exceptionnel Mini. La nouvelle gamme Mini One est à 1%. Ah non, la 1% est à 1%. Ah, la 1% est à 1%. Bon, la One, c'est la One. Oui, facile à retenir, moins à énoncer. En juin, la nouvelle gamme Mini One bénéficie d'un financement exceptionnel à 1%. Bah, c'est ce que j'ai dit. Exemple, pour 7 090 € empruntés, 36 mensualités de 200 euros hors assurance, coût total 110 €, TEG fixe annuel 1%, crédit auto de 12 à 36 mois valable du 25 mai au 30 juin pour toute commande d'une Mini One neuve dans les Mini Stores participants sous réserve d'acceptation par BMW Finance. Avec Imhotep, le roman de Christian Jacques, découvrez le secret des pyramides. Suivez le jeune Imhotep, artisan de génie aux pouvoirs étranges. Malgré embûches, maléfices et complots, bientôt il fera surgir des sables la première pyramide. Imhotep de Christian Jacques, un livre XO. Pensez-y pour la fête des mères. Oh là là, Guy, tout ça c'était fiche sur l'équipe de France? Eh oui, Sylvain, il y en a une pour chaque adversaire des Français. Ah ouais. Chaque joueur, chaque membre du staff technique. Fais attention, tu marches sur le préparateur uruguayen. Oups, pardon. J'ai aussi le résumé minute par minute de tous les... Toute l'équipe des sports de Canal+ se prépare pour vous faire vivre une Coupe du Monde de la FIFA 2010 exceptionnelle. Vibrez plus avec 100% des matchs et le Canal Football Club. Profitez-en. En ce moment, les chaînes Canal+ sont à seulement 25 € par mois pendant un an. Offre soumise à condition, renseignements 39,10, 23 centimes la minute. Ça change quoi d'être à la Maïf? Prenons un exemple. Dans votre voiture, vous réglez votre siège, vous réglez vos rétroviseurs, vous réglez la clim, et vous trouvez ça normal. Eh bien, en venant à la Maïf, vous verrez que le contrat d'assurance tout risque d'un véhicule, c'est comme le reste, ça peut se régler. Ainsi, en choisissant vous-même d'augmenter votre franchise ou de la baisser, vous ajusterez au mieux le montant de votre cotisation. Pour être prêt avant l'été, rejoignez-nous au 3240, dites Maïf. Prix d'un appel local depuis un poste fixe. Maïf, assureur militant. Le Club Europe 1. Et je vous rappelle que si vous êtes membre du Club Europe 1, nous vous proposons d'assister en auditeur privilégié, bien sûr, au grand direct des médias de Jean-Marc Morandini. Ce sera le mercredi 9 juin prochain. Vous aurez, bien sûr, la possibilité de visiter les coulisses d'Europe 1, mais aussi de rencontrer Jean-Marc et toute son équipe, Maître Maubert, etc., etc. Alors pour cela, il faut être inscrit sur le site club.europe1.fr. Je vous invite vraiment à le faire parce qu'en plus, c'est gratuit. Mais pour l'heure, sur Europe 1, c'est la suite d'On va gêner avec Laurent Ruquier, avec ses complices du jour qui ont deviné qui était l'invité d'honneur du jour. Il s'agit de la journaliste Anne-Sophie Lapix. Anne-Sophie Lapix est notre invitée jusqu'à 18h30. Bonjour, bienvenue. La journaliste et animatrice, alors je peux dire aussi animatrice de Dimanche Plus sur Canal, oui, c'est animatrice. Je ne savais pas, enfin c'était pour donner un indice en fait. Mais c'est vrai que journaliste politique, ça va mieux, je crois. Pour journaliste tout court. Journaliste tout court, ça vous va. Alors en tout cas, Anne-Sophie Lapix vient non seulement, parce qu'on va quand même parler aussi un peu de journalisme et journalisme politique, mais elle vient nous annoncer qu'elle sera sur scène les 4, 5 et 6 juin. Pour une bonne cause, il faut le dire, sur scène au Cabaret Sauvage pendant trois soirs. C'est oui. À quelle heure? C'est à 21h. À 21h, les 4, 5 vous, et 6 juin. Vous pouvez sortir tard, ça vers quelle heure vous finissez? C'est pour le Mahabharata. Exactement. Alors, expliquez de quoi il s'agit exactement. Alors, le Mahabharata, d'abord, c'est de la mythologie indienne. En fait, c'est un peu une sorte de Bible et où deux familles s'affrontent. C'est une œuvre énorme qui a été résumée en une heure et demie.
Et par Jean-Claude Carrière, c'est ça? par Vinciane Regatieri. Il dit tout le temps des conneries. Et en fait, non, l'idée, c'est pas vraiment que je monte sur scène, c'est que je joue avec de jeunes autistes. Voilà. Qui sont de jeunes artistes également. Bon, moi, j'ai un tout petit rôle, ce sont eux qui ont les rôles principaux. Et c'est vraiment un spectacle, c'est pas un spectacle scolaire de fin d'année, c'est un vrai, il y a une vraie ambition artistique, pas tellement pour moi, mais pour eux. Et voilà. Il y a aussi des comédiens, la compagnie Casalibus qui joue avec eux, qui les accompagne. La compagnie Casalibus de jeunes autistes comédiens et Anne-Sophie Lapix réunie. Et Christophe Dominici aussi. Le rugbyman? Enfin, l'ex-rugbyman. Voilà. Ça va être une première pour vous quand même. C'est une drôle d'expérience de monter sur scène. Certes, en plus avec des jeunes comédiens autistes, mais de toute façon, monter sur scène. Oui, enfin, c'est la deuxième fois, parce qu'il y a deux ans, j'avais fait avec eux. Comment ça s'était passé? Bah, très bien. C'est enrichissant. Alors, quand on utilise ce mot, ça c'est un peu galvaudé. Donc, mais pour le coup, il y a un véritable échange. Ils sont intéressants, ils sont drôles, et voilà, et ça se passe bien. Et l'idée du futur composé, l'association, c'est pas de récolter des fonds, c'est de permettre à ces jeunes d'être un jour comme de véritables artistes qui n'ont pas de problème dans leur vie et d'être sur scène. C'est une vraie ambition artistique. D'autres artistes avaient, j'allais dire d'autres artistes, vous n'êtes pas une artiste, vous êtes journaliste, non, mais pas du tout. D'autres personnalités, alors je devrais dire, ont participé déjà à ce genre de festival et à ce genre d'action. On peut citer Goldman, Dussolier, Renaud, Higelin, Maxime Le Forestier ou encore Marc Lavoine, dont on sait que c'est une cause pour laquelle il œuvre depuis des années à travers, je crois, un magazine qu'il a à confectionner. Vous, Anne-Sophie Lapix, vous êtes sensible plus particulièrement à cette cause-là qu'à d'autres. Pourquoi vous avez dit oui à celle-là? C'est un hasard, en fait. C'est la personne qui met en scène le spectacle et qui les écrit qui m'a contactée. Je l'avais rencontrée une fois et elle m'a demandé, donc il y a deux ans, si je voulais bien y participer. Et pour moi, c'était... souvent, on me demande d'être marraine d'une association, mais ça n'a pas vraiment de sens, juste de donner son image comme ça. Sans... Là, c'est un véritable investissement personnel, parce qu'il y a beaucoup de répétitions. Est-ce que vous avez invité les politiques que vous interviewez le dimanche à venir vous voir? Non, je les connais pas assez bien. Vous ne préférez pas les voir en dehors? Voilà, non, je ne les vois pas en dehors du tout. Jamais? Non, jamais. Jamais, jamais, jamais. Jamais, 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 jamais. Jamais vous ne pourrez en épouser un? Non, je ne pourrais pas, non. Ah bah oui, c'est triste, ça. C'est jamais en épouser un. On tient la seule journaliste qui ne va pas épouser un ministre. C'est pas un étendard non plus, mais alors c'est intéressant, ça, parce que quand même, il y a deux thèses qui s'affrontent. Il y a certains journalistes politiques qui disent, non, moi, je trouve qu'au contraire, pour avoir des infos, pour obtenir des bruits de couloir, pour savoir poser les bonnes questions, il faut déjeuner de temps en temps, copiner alors, même parfois. Pour ça, moi, j'ai une équipe de journalistes politique pour le coup, des gens qui passent leur temps effectivement à traîner dans les partis, à rencontrer, à déjeuner, et qui me donnent les informations, qui recueillent. Donc j'ai même pas besoin de déjeuner, de traîner. Ah, vous avez une équipe de Paul Vermus, quoi. Ça veut dire que quand vous recevez votre invité politique à Dimanche Plus sur Canal, vous ne l'avez pas rencontré avant? Je le vois 30 secondes avant l'enregistrement, le temps de faire le réglage lumière. Pierre, vous regardez de temps en temps Anne-Sophie Lapix quand vous regardez. Dimanche surtout. Quand vous regardez. Oui, surtout le dimanche surtout. Ça tombe bien, c'est le dimanche. Quand vous regardez pas la météo. Non, mais je trouve en effet très bien. Et non, mais ce qu'il y a de formidable avec vous, c'est que vous n'avez pas un physique de journaliste politique. Vous avez un physique d'une jeune femme ravissante qu'on croirait. Va se remettre à draguer. Dont on croirait qu'elle va parler de choses frivoles. Et vous faites tout garder. Et que votre sérieux ajoute à la magie de votre présence. Qu'est-ce que vous faites après le spectacle, Marc? Non, moi, si je peux dire, parce que... Non, mais c'est vrai, je suis absolument sincère en le disant. Voilà. Je vais dire avec les jeunes autistes, belle comme elle mériterait d'être conne, voilà. Titoff qui est amoureux de vous, je crois, depuis longtemps. Non, pas du tout. Ne rougissez pas. Je suis marié. Non, mais je vous apprécie beaucoup parce que, comme vient de dire Pierre, vous êtes très charmant. Mais vous prenez pas au sérieux. D'abord, elle se prend au sérieux et elle a raison. Et ensuite, lui, il est marié, il vient d'avoir un gosse. C'est quand même formidable. Tout le monde souligne à quel point c'est extraordinaire qu'il y ait des femmes journalistes présentes à la télévision. Je regardais récemment une émission sur France
3 où on expliquait le long chemin. Et n'empêche que lorsqu'on reçoit une femme journaliste, c'est son physique, c'est le côté vous méritez. C'est vrai aussi maintenant pour les hommes. Ça commence. Il y a eu une campagne promo pub toute la semaine dernière sur les ondes pour Laurent Delahousse. Et Harry, n'en parlons pas. Je me demande même comment il a accepté Laurent Delahousse. Faire la couverture de GQ. Non, pas faire la couverture, ça, on peut comprendre, mais que cette promo soit basée sur le Playboy de l'info, vous voyez, ça, c'est aussi valable pour les hommes aujourd'hui. D'accord, mais c'est pas spécialement agréable. Je l'ai vécu ça avec Harry Roselmack. On ne parlait que de son physique, on parlait en plus de sa couleur à l'époque. Donc c'est vrai que lui, il se sentait comme une un homme objet. Barbie d'LCI tout d'un coup. On parlait de son physique parce qu'il était noir, c'est-à-dire c'est tout particulièrement secret. Et aussi parce qu'il était beau. Non, parce que c'était un beau noir. Autant physique parce qu'il n'est pas facile. Je trouve que tu vas complètement au contraire de ce que je pense. Parce qu'il est normal que Harry Roselmack, dont on est fou de joie, qu'il soit là parce qu'il est bon, parce qu'il est noir, parce que c'est une victoire sur le racisme, que c'est formidable que toute la France entende un noir lui raconter sa vie, et je trouve ça formidable. Alors on va pas, quand on est heureux de cette révolution, on ne va pas se priver de dire, lui qui est noir... Non mais oui, c'est pas ça qu'on disait. Quand on a une jeune femme, ce qui est honteux, c'est de dire, est-ce qu'elle a une belle croupe, uniquement, et on peut dire donc aussi jolie, quelle grande journaliste ça peut être aussi. C'est le contraire. C'est le contraire de ce que tu dis. Elle a plus de scoop que de croupe, quand même. Est-ce qu'on peut juste... Je dis de croupe, c'est pas important. Non, mais j'ai bien compris. Je ne sers jamais de ces trucs-là. C'est l'ancienne génération du nouvel homme. C'est un old school. Est-ce qu'on peut dire à cette ancienne génération, et vous serez d'accord avec moi, qu'en plus le lieu dans lequel vous allez jouer, qui est le Cabaret Sauvage, toi qui te moques toujours des lieux de Paris que tu... Le Cabaret Sauvage, c'est un beau lieu. Tu le connais, le Cabaret Sauvage? Il est près du périphérique. Il était un des plus beaux endroits. C'est Parc de la Villette. C'est très très beau cet endroit. Parc de la Villette, boulevard McDonald, les 4, 5 et 6 juin à 21h, un Mahabharata, joué entre autres par Anne-Sophie Lapix et la compagnie Casa Libus. On en reparle dans un instant, vous restez avec nous jusqu'à 18h30. Laurent Ruquier, 7 jours sur 7 sur Europe 1. On va se gêner jusqu'à 18h30. Profitez bien des dernières minutes d'On va gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier à ses côtés en ce jeudi. Pierre Bénichoux, Caroline Diamant, Jérémy Michalak, Titov, Gaspard Proust, Gérard Miller et l'invité d'honneur, il s'agit d'une journaliste, Anne-Sophie Lapix. Notre invité jusqu'à 18h30, invité caché tout d'abord dans une loge, mais assez vite identifié tout de même, c'est Anne-Sophie Lapix. Et j'aimerais qu'on revienne ensemble justement sur quelques indices proposés à mes camarades. D'abord le tout premier qui a fait tant plaisir à Pierre Bénichoux. Adieu Saint-Jean de Luz, mon pays, ma montagne. Tout simplement parce que vous êtes né à Saint-Jean-de-Luz. Je suis née à Saint-Jean-de-Luz, j'ai grandi à Saint-Jean-de-Luz et c'est vrai que j'en parle assez souvent parce que je suis très très attachée à cet endroit magnifique que vous connaissez bien. Deuxième indice. Dora, 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 l'exploratrice. Comme vous l'avez dit, c'était ponctuel. Ouais, non, c'est la boîte à questions de Canal. Ah. Soit ils me font danser, soit ils me font chanter. Oui. Et on me demandait quelle était la chanson que j'entendais, que je chantais en permanence. Et comme j'avais des fils qui, à l'époque, ils ont grandi, mais étaient assez branchés Dora. Ça surprenait d'ailleurs beaucoup Maïtena Biraben que mes fils regardent Dora. Et vous avez des fils? Oui, j'ai deux fils. Ah bah, il faut le dire. L'autre indice. Le générique du 12h50 d'M6, puisque vous avez aussi évidemment activement participé à la petite chaîne qui monte. Oui, en fait, on a créé le 12h50 l'année où j'étais M6, parce que j'ai passé en fait une année sur M6. Et c'était le générique, c'était assez sympa. Le journal de la mi-journée. Ensuite, on a entendu. On vient d'en parler, Harry Roselmack, le générique de 7 à 8. J'avais un autre générique, d'ailleurs en magasin, que j'aurais pu vous proposer. Ça aurait été encore plus facile, hein, je pense. Ouais, je sais pas. Zone interdite. Là, vous avez présenté avant Mélissa Thoriot. Oui.
D'ailleurs, voilà. Il faut quand même le dire, on est assez injuste avec vos consorts parce que toutes n'épousent pas des hommes politiques. Non, la preuve. Certaines, il n'y a pas qu'elles d'ailleurs, épousent plutôt des humoristes. Ça, avec un humoriste, ce serait possible. Je pose la question. Je pose la question pour Gaspard Proust, hein, qui n'ose pas la poser. Donc, ce n'est pas un critère de sélection, pour le coup. Mais, Oui, Gaspard, je suis désolé. Bah oui, humoriste. Ah, mais moi, j'étais. Mais c'est super, oui. Moi, j'ai regardé votre émission et c'est vraiment très bien. Quand vous posez les questions aux journalistes, enfin non. Vous avez vu dans quel état vous me le mettez ? Ils sont tous allés de leur couplet, vous draguant, alors ça n'a aucun intérêt. Enfin, je veux dire que. Moi, j'ai été très sobre. C'est vrai aussi, il faut le dire. Allez, je rappelle qu'Anne-Sophie Lapix sera sur scène, j'allais dire pour la première fois. Non, puisqu'elle l'a déjà fait l'an dernier, au Cabaret Sauvage, cette fois en tout cas, le 4, 5 et 6 juin prochain, avec le Mahabharata. C'est un conte indien que vous allez jouer sur scène aux côtés de jeunes artistes autistes. Si vous me le permettez, d'ailleurs, je vais en profiter pour signaler aussi, et j'imagine que vous connaissez cette association des Hors-la-Loi, l'association Andy Art. Eux aussi avaient fait un gros succès avec un spectacle qui s'était joué il y a quelques années. Ils recommencent au Gymnase le jeudi 28 juin prochain, au Théâtre du Gymnase. Le spectacle musical s'appellera La Grande Audition. Et là aussi, ce sont des comédiens handicapés qui se mêlent à des comédiens qui, eux, n'ont pas de handicap. C'est au profit de l'association Andy Art. C'est joué au Théâtre du Gymnase le jeudi 28 juin prochain. Voilà. Mais pour vous, Anne-Sophie, on l'a bien retenu. 4, 5 et 6 juin au Cabaret Sauvage. Merci à vous d'être venu nous voir. Merci à vous. Et merci à vous aussi, très cher Laurent. Rendez-vous demain 16h sur Europe 1 pour On va gêner. Avec Studio Europe 1, Michel Drucker et Wendy Bouchard passent en revue toute l'actualité culturelle. Et à 19h, Michel et Wendy recevront comme invité l'humoriste Ben. Il y aura aussi le producteur Jean-Marc Dumontet et puis le comédien Pascal Selem.